Genre YouTube, j'espère que tu vas bien. Nous sommes lundi, c'est la fête des travailleurs et des casseroles. Tout cramé. On fait du roguelike, petite journée roguelike. On n'a pas joué à Tiny Rock depuis très longtemps, donc voilà. Petit Tiny Rock finalement. Ah, maintenant on voit nos saves. J'ai que 5 heures sur Tiny Rock. Je pensais que j'en avais beaucoup plus, tu vois. Il y a des persos que j'ai jamais fait, non? Je crois que j'ai jamais gagné avec le Gunslinger, me disent les succès. Ça, c'est les unlocks. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, il y a des nouvelles unlocks. Bard class, visite de taverne. Gunslinger class, bandit class. Attends, mais j'ai pas tout cela, là? Attends, mais ma save... Attends, qu'est-ce que c'est que cette brasse? Et je me fais arnaquer, là? J'ai déjà fait tout ça, non? C'est des nouvelles? Non, mais attends, là, c'est quoi le bail? Wanderer, thief? Je l'ai, le thief. Bard, c'est nouveau. Je comprends pas les unlocks, là. Bandit class, peine 750 gold. J'ai déjà fait ça. Pourquoi j'ai pas le secret? C'est bug les unlocks, mais t'as les persos, t'inquiète. Ok. It is bugged. Ah, c'est vrai qu'on peut mettre les cinders, vu que j'ai déjà fini le jeu, je sais pas combien de fois. Pas la bonne save, je pense. Je sais pas. Win versus Death 1. Win versus Death 1. Win versus Death 1. Win versus Death 1. 1. 1. 1. 1. 1. 2. 1. 1. 1. Non, en vrai, c'est ma save. Hein. J'ai tué avec tout le monde, là, donc c'est ma save. Par contre, j'ai pas le Gunslinger. Comment on débloque le Gunslinger? Le Bard non plus, je l'ai pas. Visite la taverne. Doppelganger. Defeat Death with all basic character classes. Non, mais ça, je l'ai, du coup. Il est où, le Gunslinger? Upgrade de Cannon or Gun to level 4. Ok. Faut que je fasse ça, en fait. Je crois que c'est la seule classe que j'ai pas. Le Wizard, je l'ai, le Wizard, non? 10 armor maximum mana. Ah non, je l'ai pas, le Wizard, non plus. Il y a plein de classes que j'ai pas. Bizarre. Ah si, là, pour les 15 mois. Flyzen pour les 2 ans. Et gros bisous. Merci pour les resubs. Avec la nouvelle match, certaines unlocks ont été refresh. C'est juste un bug, ok. Et du coup, les cinders, ça marche comment? Human Limits. Oula, ah oui, d'accord, tu peux activer des cinders pour débloquer celle d'après. Ok. Achieve Cinder Streak Sum of 4 or higher to unlock tier 2 Cinder Modifiers. Si t'arrives à faire... A Cinder Streak Sum of 4, qu'est-ce qu'il appelle une Cinder Streak? Il faut juste que j'arrive à battre le jeu en 4 ou juste faut que j'arrive à en faire... Si je bats plusieurs fois d'affilée le jeu en 1, ça va augmenter ma streak? Ou faut juste que je fasse une win en 4? Je comprends pas, là. 2 et 2, ça doit marcher? À chaque win d'affilée, tu cumules le nombre de cinder dans ta streak que t'as d'activer. Ah. Floors contain up to 5 times more pack of enchanted enemies. Your starting weapon has a negative enchantment. Weapons are more likely to spawn with a negative enchantment. Quel enfer, ça! Les effets qui marchent une fois par salle ne marcheront qu'une seule fois par étage. Double la vie, double les points de vie que tu prends dans ta tête quand, sur la deuxième... Bon, en vrai, déjà, si j'arrive à faire une run classique, ce serait pas mal, non? C'est le doppelganger ou faut le gagner plusieurs fois? Ouais, ouais. Merci à EG, je l'envoie Dimir pour les 14 mois, clong, clong, clong. Les cinders, horrible OMG, c'est chaud les cinders. A chaque win d'affilée, tu cumules le nombre de cinders dans ta streak que t'as d'activé, ok. Je crois que le doppelganger, il faut gagner plusieurs fois avec lui. Il faut gagner plusieurs fois avec le doppelganger, genre en mode... c'est le Eden du jeu, en fait. Tant que t'as pas débloqué d'autres classes, faut gagner avec Eden. Copie bandit. Donc là, la prochaine fois, je vais jouer un bandit. Je me rappelle pas ce qu'il fait, le bandit, vas-y. Jamais réussi avec les 16 à la fois encore. Bah, ça a l'air un peu chaud, non? Est-ce que c'est un jeu WZQSD? Ouais, putain. Faut mettre mon clavier en US. Hop là. Qu'est-ce qu'il fait le bandit déjà? Je me rappelle plus du tout. Je me rappelle pas des contrôles du jeu, au secours. Doppelganger, le bandit. On voit pas là, on voit pas ce qu'il fait le bandit. Enhanced Raider. You always find additional gold when you complete a room. On trouve toujours plus de gold, ok. Il faut le jouer dextérité de mémoire, on commence avec une arbalète, c'est ça? On voit où l'équipement? Déjà, je m'en rappelle plus. Oh là là, je m'en rappelle de rien. C'est quoi les touches?
I, ça fait pas l'équipement, comment ça se fait? Il est où l'équipement? F. Ah, j'ai pas joué au jeu depuis si longtemps. Plus un cœur grâce à la Betty String. Atunemon 2, ça me donne un cœur aussi. Qu'est-ce que c'est que ça? Dice bag. Allows rerolling of our traits in trait selection. On a un bag of dice maintenant? Genre au lieu qu'il soit là, ça les met directement dans notre inventaire là. Ok. Ok, nice. Pourquoi pas. Allons chercher une clé. Ça fait longtemps qu'on a pas joué, putain. Je me rappelle de rien, moi. Est-ce que si j'augmente la crossbow level 4, ça... Bop, ça compte pour débloquer le gunslinger. Arrête de me donner de la force, putain. T'as la cam sur l'inventaire. Ah merde, faut se mettre où sur ce jeu déjà, je sais plus. Il veut que me donner de la force, c'est terrible. Faut se mettre là, j'imagine, non? Pap. Test à la manette. J'aime bien le clavier souris ce jeu, moi. Merci Azaria pour les 16 watts, toujours autant de plaisir à voir les lives. Des gros bisous, merci beaucoup de sub. Pour monter une arme au rang level 4, il faut que tu bailles un composant dans la taverne. Hop. Oh la dextérité, mais j'ai pas de bombe. Ma vie pue, non. C'est qui lui? Oh c'est la mimique. Facile. T'as vraiment pris pour un client là. Tu m'as pris pour un Yankee ou quoi? Y'a pas eu le patch. Non. Add plus 1 to tipsiness. Ah ça c'est pour être bourré c'est ça? Arrête de me donner de la force. Arrêtez de donner de la force là. Tout est basé sur la dex avec ce perso. Vraiment pas de chance hein. Vraiment zéro chat. Surtout que si ça devient ma stat principale, ça pue. Alors qu'est-ce que c'est ça? 10% plus de dégâts par cœur manquant. Chaque stack de tipsiness donne 10% de dégâts en plus. 150% critical hit multiplier. Ah mais attends, on peut tomber des trucs verts. Vas-y, coup critique, moi je joue coup critique. On peut tomber des trucs verts alors que j'ai augmenté par les dégâts roux. Enfin par la strength, je crois, par là. Bizarre. Hein. Bizarre ce qui vient de se passer là. Comment c'est possible? Normalement si tu level up en ayant pris que du rouge, tu... Ah parce que j'ai de la dex de base je crois, hein, c'est ça. C'est par rapport à tes stats prédominantes, mais genre j'ai de la dex, non? Elles sont où mes stats? Ouais j'ai 2 de dex. Donc, comme j'ai 2 de dex, il me propose quand même du vert. Je crois que les shrines sont meilleurs qu'avant, ils ont patch les shrines. Hein. 1 de stamina. Ouais voilà, genre là... Trop bien, genre là c'est bon, là j'ai de la stamina pour toute la run, on est d'accord? J'ai eu de la chatte. T'as 2 dans chaque stat avec le doppelganger, t'as 1 de dex de base. Juste 10 rooms. Hein. Merde, je regardais pas, j'essayais de... Putain. Quel abruti. Ça a été nerfé, my bad. C'était pas écrit 10 rooms, là. Mais normalement, on peut voir ses effets, faut juste que je cherche. Shrine 10 rooms avec malédiction, ça reste tout le temps. Ça marchait déjà comme ça, à mon époque. À l'époque, quand je jouais au jeu, c'était déjà le cas. Rien n'a changé, en fait. Il est où le patch? Constate pas de patch, moi. Les malédictions sont pas pareilles. Elles sont différentes maintenant, ok. Le crossbow ranged. Oh, alors, pas mal le crossbow ranged. Le twin shot crossbow pue la merde, mais le crossbow ranged. 225. Attends. Non, c'est celui-là que je viens d'avoir. ED. Oui, c'est celui-là. Bah, équipe-le, abruti. Ok. Et ça, c'est mes potions. Je sais même plus comment on les utilise. Fais shift pour comparer. Je sais plus comment on utilise les potions. C'est avec Kitamura. Lock chest contain stuff for melee fighter. On n'est pas un melee fighter, on est distance. Donc, va te faire voir. Va te faire voir. Va falloir trouver de la dex, là, c'est terrible. Hein. Au secours! Contain uncommon weapon. Mais un jour je vais avoir des bombes ou ça se passe comment? Genre. On a le droit de rigoler ou pas? Pip. Le laboratoire de Dex. Tu peux changer tous les keybinds dans les options. Ouais, en fait, c'est juste que je me rappelle plus de ce qui est possible de faire avec le jeu en fait. Un stamina pour 10 rooms. Ah ouais.
C'est bien qu'il y ait ça maintenant, c'est pratique parce que du coup tu peux... Ah ouais, tu peux changer d'arme à la volée. Ah, c'est du génie ça. Est-ce que j'ai assez avec 50 balles? 3 d'intelligence pour 16. Open locked things, des clés. Ça fait chier parce que... Après 3 d'intel, ouais. 5 balles pour 2 clés. 1 intelligence, 1 intelligence. Faut arrêter, j'ai trop d'intel là. Mec, il va jamais jouer dextérité quoi. Ça me fume. C'est ma stat la plus pourrie. La taverne. Oh, des bombes. Putain, il me faut des bombes. Impossible. T'as un dé aussi pour roll les shops. J'imagine, ouais. Peut-être les dés ont subi un équilibrage parce que c'était nul à chier les dés à l'époque, hein, je me rappelle. Index. Oui. La run dex. Merci Kizai Watch pour les 8 mois de Prime. Bonjour férié. Hein. Bonjour férié à toutes et tous. Hein. Les potions de soin, avant fallait les drop, maintenant t'en as 2 pour la game, V pour utiliser. Les infusions sont permanentes. La rage on hit, c'est stylé aussi. Hein. Rage on hit, 4% d'attaque speed par stack de rage, max 10 stacks, stack last 2 secondes. Après les infusions, c'est OP. Mais pour l'instant, on est loin d'avoir une infusion. Mais la rage, de mémoire, la rage, c'était incroyable. One heart to open. Tu gagnes tellement d'attack speed avec la rage. J'ai la rage! Oh, un cœur max. Un de strength. Faut arrêter. C'est quoi la touche pour les bombes déjà? Faut que j'aille voir les touches. Keyboard. Drop bomb, c'est Q. Donc c'est A en fait. Ok. Très bien. Les décideurs. Merci Didi Lemas pour les 45 mois et Shin Paul pour les 1 an de prime. Merci, merci. Oh! Vu. J'ai fait un critique là. Donne-moi un petit morceau de bidoche. Oh, il y a une poire. Defy Death plus one more time per room for 5 rooms. Ok. Attack speed by 15% pour 10 rooms. Grant un effet aléatoire. J'aime pas ce que j'ai eu comme effet aléatoire. Un de lock pour 5 rooms. Ok, nice. On va aller chercher la dextérité, moi, il m'en faut. Hop, 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 hop. Par contre, il me faudra une vraie arme aussi, parce que là, c'est triste. Hein. Random melee weapon ou plus un cœur. Et je joue pas melee weapon, putain. C'est le nécromancier. C'est Izul. Les infusions, tu les gardes dans l'inventaire jusqu'au dernier étage, et c'est bon, ça sert à rien de les avoir infiniment. Bah si. Peut-être que monsieur est trop fort pour se permettre de les garder que pour le dernier boss, mais... Tout le monde n'est pas aussi fort que Monsieur Astérix. Quoi. Non mais lui il est ridicule. Hein. Tu te ridiculises le nécromancien là. Voilà, merci. Comment ça la fête du roguelike? Bah c'est la fête du roguelike aujourd'hui, je l'ai décidé. Vu que les grands patrons ils veulent appeler ça la fête du travail, bah moi j'appelle la fête du roguelike. Voilà. On nique les grands patrons. Un cœur max, ok super. Proclamé de manière unilatérale. Non mais c'est la fête du roguelike, c'est pas grave ça. Simple rewards, not locked, 1 d'intelligence. Ça ressemble à quoi mes stats là? 5, 4, 6? Non mais ma meilleure stat c'est l'intelligence, faut arrêter là. On vit dans quel monde là? Ah, dans un monde où je fais pas de dégâts apparemment. Non mais il est énervé lui. On vit dans une saucisse. C'est réel. 800, j'ai mis un 800. Ah oui, non, mais j'arrive à mettre des critiques quand même. Hein. Deux bombes, des gold. Faut que je trouve un shop. Il me faut un shop avec des belles armes là. Genre un crossbow vénère, un arc vénère. Un gun sinon. Pour débloquer le gunslinger.
C'est juste factuel, la fête du roguelike, c'est ça? Merci de me croire. Oh, rechercher de la strength, hein, puisqu'apparemment la dextérité dans ce jeu n'existe pas. Il a tellement de vie, lui. Ok, nice. Tiens, la carotte, là. Par contre, j'ai beaucoup de range, hein. Le jeu est gratuit. Shop, oui. Un de dextérité, un d'intelligence. Des bombes, un de stamina pour 10 rooms. Grants 3 random reward. Mais puis la merde, ton shop, il est nul. Le shop est nul. Y a même pas d'item, y'a rien. A bottle of booze. La bouteille de booze. Mais du coup, l'alcool, ça augmente toujours les dégâts de base, c'est ça? Envie d'être bourré, là. Arcanos. Joue une nouvelle classe. Non, je joue le Doppelganger. Un tout tipsiness, un soul art. La tipsiness, ça rajoute juste 5% de dégâts, c'est ça? Quel abruti X. Upgrade weapon and repair armor. Mon crossbow, il compte comme un gun ou pas? Qu'est-ce que c'est mon crossbow là? Fais voir. Crossbow ranged. Donc ça, si j'augmente ça au level 4, ça fera rien, on est d'accord. Hein. En plus, ça coûte combien? 20 balles d'upgrade. J'ai 71 balles. Bah on n'est pas dans la merde, hein. C'est moi qui te le dis, hein. Vraiment là, la belle run. Hein. J'ai pas eu de chance au tirage, hein. Vraiment sur mon arme là. Ça c'est l'heure du boss, non toujours pas. Tout ce qui se reload. 5% increase damage when you complete a room. Reset each floor. 15% more damage dealt per soul art you have. J'ai envie de reroll en vrai, hein, qui m'intéresse. 10% plus de dégâts par statut d'effet sur les ennemis. 50% plus de dégâts mais 25% moins d'attaque speed. Plus 2 de cœur. En vrai, le Colossal Might est bien puisque j'ai du boost d'attaque speed. Donc je mets déjà des critiques à 1000, hein, 1000 de dégâts. Là. Oh oui. Du range weapon, par pitié. T'as 3 rerolls, oui, c'est pour ça que j'ai utilisé. Hein. Oh, et du calme, la mandragore. Hein. Ah, elle est garantie, celle-là, elle est trop facile. Ça fait plaisir de revoir du Tiny Rogue. Ouais, ça me fait plaisir aussi d'y rejouer, ça fait longtemps. J'ai envie de roguelike, mais... Ah non! Hein, mais c'est nouveau pattern, ça. Pourquoi il y a des trucs au sol, là? Je prends cher. En plus, c'était la P1. Hitless, là. No hit. Là, le bordel. Oh, le bullet L. C'est bon. No hit, la P2, nice. J'aurais jamais dû prendre ce hit en P1, mais c'est pas grave. Un physique. Ah, oh, c'est un gun! Shotgun plus 1, ça y est, c'est bon! Vas-y, avec ça, on va débloquer le. Oh, ça a l'air à chier. Avec ça, on va aller débloquer le Gunslinger. Do you really want to proceed? Yes. Merci Frizzwig pour les 9 mois de Prime. On réveille le Prime en ce jour férié. Attention au muguet, très mauvais pour les toutous. Le muguet, c'est. J'ai pas envie d'acheter de muguet, moi. Le muguet! Je crois que mon père, il s'est levé pour vendre du muguet, là. Il a dû se lever à 6h du mat comme tous les 1er mai depuis des années. Ils vont le muguer avec mon grand-père. Oh, il est éclaté le shotgun. 3 de dex. Jester Boots, increase stamina recovery speed. Oh nice, j'avais pas de boots. D'ailleurs, j'ai toujours pas d'armure ni de casque. Pas le dire trop fort, hein. Wow. Oh la non-dinguerie du shotgun. Oh la non-dingue. Medium amount of gold. Ce qui est abusé, c'est que genre il met tellement de temps à recharger le shotgun.
pour un DPS qui est quand même assez ridicule. Et une range tout aussi ridicule. C'est quoi? Pourquoi c'est jaune? Je comprends pas parce que des fois je peux tirer deux fois d'affilée et des fois pas du tout. Une, deux... Ah oui, en fait il y a deux bas... C'est un sold off, c'est un canoncier. On a le droit de tirer deux fois d'affilée en fait. Une et une, deux. Voilà ça. Une, deux. Ah oui d'accord, donc ça va en vrai. Faut juste que je profite bien de mes deux bastos à chaque fois en fait. C'est un double barrel. Where could it lead? Locked chest that contains stuff for range attacker. Vas-y, range. Mais par contre, ils veulent que je l'amène en plus 4, mais c'est plus 3 le maximum d'une arme, non? C'est pour ça qu'il faut que je trouve un truc à la taverne? Le full auto crossbow plus 2. Lui, il a l'air bien mieux, hein. C'est ça qui est terrible. Hein. Oh, lui, il a l'air tellement mieux. Après, rien ne m'empêche d'augmenter un gun jusqu'au niveau 3. Attends, 7. 20 balles. Donc là, le gun est niveau 3, mais c'est le max niveau 3. Shotgun plus 3. Je peux pas l'emmener plus loin que ça. En vrai, le full auto crossbow a l'air tout aussi bien, ce qui est terrible. Il faut buy le component à la taverne, il y a un forgeron plus. T'es pas obligé de jouer avec le shotgun, juste tu le gardes dans le sac et tu joues avec autre chose que tu préfères. Hein. Fais voir le full auto mes couilles là. Donc j'ai monté les deux au niveau max. Enfin, niveau max actuel qui est plus 3. J'ai monté mon arc et le shotgun et on va essayer d'emmener le shotgun niveau 4. C'est quoi ça, hein? E to interact. Drop any item you'd like me to take a look at on the carpet. You drop the pastis on the carpet. 3 balles le crossbow. Putain, il me le rend pas très cher en vrai. Hein. Vas-y, si je te propose mon arc au level 3, tu me le reprends pour combien? Pretty nice, 19 gold. Bah, elle va te faire foutre, non? Rends-moi mon bazar, là. Fumier, hein. Ouais, mais regarde. Hein. Le full auto crossbow, quoi. Ça, c'est une vraie arme. Oh, Magic Quiver, 25% chance to trigger refire with bow and crossbow. Bon, on va pas jouer au shotgun, on va juste emmener le shotgun avec nous, mais on va jouer au crossbow là. 25, une chance sur 4 à chaque fois que je tire de retirer, c'est garanti en fait. C'est pas obligé, ouais, ça j'ai eu un secret pour, mais c'est du spoil. Tu as des events pour le level 4 des armes. Il n'y a pas eu de mage spécialement récente, enfin il y a eu des mages que j'ai jamais vu en fait. Ouf, oh la vitesse de tir! Cette vitesse! Il écrit x2 sur sa barre. Ouais, c'est parce qu'il y a deux barres de vie, ça en fait, ça spoil les deux barres. Ouais, ok. Par contre, il est très très précis cet arc. Non! J'avais tellement de manières de m'en sortir, je suis trop con. La Colossal Might qui très vite à cadence de tir, ouais, mais qui m'augmente mes dégâts. Mais c'est vrai que du coup, on pourrait tirer encore plus vite normalement. Merci à le Poulpi pour les 1 an. Merci pour tout, chez vous. Bon lundi à tous, je vous laisse, je vais jouer à Magic. Aïe aïe aïe. Magic, adieu ton argent. Adieu, adieu l'argent. Wow, 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 attends. On veut me biaiser là. On veut me la mettre à l'envers. Dans les news du jeu, il parle d'un très gros patch prochainement. Il y a eu un patch intermédiaire début avril. Donc à la taverne, il y aurait ce qu'il faut, ça. C'est qui vend ça? Stay for the night. Non. C'est le Père Noël? Take this little token of gratitude. Blacksmith Weststone. Ah bah... Mets les weapons up to level 4. Oh putain, c'est dommage. Il est pas là, dort pour changer les PNJ. Ah, donc ça marche pas sur les...
Fra, putain, ça marche que sur les melee weapons. Le Purging Stone. Je sais même pas ce que c'est qu'une Purging Stone. I'll sell you a gift box pour 20 gold. On va te faire foutre. Vas-y, je stay for the night. Enlever les malédictions. Il est toujours pas là le PNJ? Don't tell other kobold. Non. Redors. J'ai le droit de dormir en boucle? C'est lui là? Do you want to buy a bomb? Non. Mais je me fais taxer tout mon argent là! C'est lui? Du saké? Mais non, mais putain, mais. Sell soul, 500 soul, 10 gold. Je me fais arnaquer là! Il sera en haut à gauche. Reaper powder, mais je me fais arnaquer là! $25 pour 5 dice, non merci. Oh c'est lui, 100% c'est lui. Massive deal for you. Illegal gun part, c'est ça non? You know it, that's the good stuff. Qu'est-ce que c'est que les illegal gun part? Upgrade the gun or canon by 1 level. Ah, alors attends. Donc là je mets le sword off. Et là ensuite je fais 8, c'est ça? Shotgun plus 4. J'ai pas eu le succès. Et ça y est, pourquoi j'ai pas mon succès là? Est-ce que ça à la fin? Le Fierce Hellsinger plus 10 base damage. Lui il est marrant quand même. Drop loot when shattered, where could it lead? Oula oula oula. Il est marrant mais il fait pas mal hein. Après le level 4 il doit faire mal de fou non? C'est nul à chier le saut d'off hein. Nul à yesh hein. Ça je peux l'emmener plus 3 assez facilement en vrai. La quête de l'effet brisé tu as déjà complété, je sais pas du tout. Je m'en rappelle pas. Dans tous les cas ma meilleure arme c'est ça. J'ai le droit de le vendre mon shotgun maintenant ou pas? Ou si je fais 100, je vais me faire chier dessus. C'est trop bien qu'on puisse vendre nos armes maintenant, c'est vraiment le meilleur bail ça. On peut pas les stacker les pinards là. I have no interest in blacksmith Weststone. Ah, il prend vraiment que les armes, ok. Faut toujours aller aux events. La méta event. Le tiny event. Bon, ma meilleure arme, c'est vraiment le... Ma meilleure arme, c'est vraiment l'arc. Il a tellement de range en plus. Plus 2 stamina, 25% plus de dégâts quand on... 25% plus de dégâts sur les boss, du coup. 25% plus de dégâts quand on n'a pas d'armor. C'est pas mal, ça, parce que j'aurais pas d'armor dans cette run, je pense. J'aimerais gagner 25% flat en permanence. Le perma 25%. Je crois que tu peux tab quand tu prévues une arme pour voir les dégâts en fonction de ton build. Ouais, les gens disaient shift pour compare et tout. J'avoue que je le fais jamais. J'aime bien tester le feeling des armes en fait. Parce que au-delà du DPS aussi, ce qui est important c'est de voir comment l'arme elle tire. Quel feeling t'as quand tu combats en fait. Oh le sphinx! Oh j'ai de fumée ça. Hop là, dodge head.
Oh, le refire, c'est un délire. Hein. Il va redescendre, non? Oh, il est chiant son pattern, là. C'est un peu gratuit man, le Sphinx, en vrai. Il a deux patterns, et si t'es loin, tu peux rien faire. Hein. Le Helix Bow. Donc là, en effet, si je fais Shift, on peut voir que la Full Auto Crossbow... On est à combien de DPS? 498, 597, 8 APS. Mais alors avec l'autre, le Helix Bow 2 Hand. Ah oui, j'avoue que le Helix Bow, il est comment dire, il va vite. Il fait déjà beaucoup de dégâts en fait. Waouh, putain, c'est stylé. Ces jeux Minitel, c'est cool. Mais pas du tout, c'est un triple A. Regardez, il tourne encore mieux que Jedi Survivor. Bon, ça a beau être joli. Putain, mais putain, il avait la baisse. C'est qui lui là? C'est V les potions, m'avait dit. Putain, je sais pas comment ça marche les potions. Il faut la boire. Ok. J'ai eu un succès, drink. Il y a des nouveaux ennemis là, je les connais pas. Hein. C'est quoi l'intérêt du Helix Crossbow en fait? Il passe à travers les ennemis, on dirait. Bizin. Faut que je fasse quelque chose pour les raccourcis, faut que ce soit sur 1 le changement d'arme, sinon c'est la merde. Les types Sinès, on s'en fout. Ok. La taverne, je peux me refiler en PV là-bas, non? On peut pas coucher avec je sais plus qui là. Healing. Si merde. Bah bien halas, c'est qui ça? Enchant your weapon. Attends, elle est déjà enchant ma weapon ou pas? Fais voir. Full auto crossbow. Donc non, elle est pas enchantée. J'ai eu quoi? Hulking plus 20% damage. Ah ça va en vrai. Et le Helix, est-ce que je peux l'enchanter aussi? Le Helix, j'ai eu Fierce plus 10 base damage. Je sais pas ce qu'est le mieux entre le plus 10 base damage et le plus 20%, ouais. En l'occurrence, pour les arcs, peut-être le pourcentage. Ouais, cet arc-là, il fait mal, hein. Oh god. Enfin, c'est pas un arc, en fait, c'est une arbalète, mais... Ça va vite, hein. Y a pas eu d'épisode hier, mais c'est normal, hein. Il y en aura demain. Le sniper rifle, putain lui il était pété aussi hein. Désintégration scepter. Hein. Le bazooka plus 2. Le bazooka. What the fuck. C'est trop bien de pouvoir switch à la volée les armes là. Putain, le bazooka il doit valoir un peu d'argent en vrai non? En fait, l'équilibrage du jeu, il a vraiment été revu avec ça. Hein. Bazooka plus 2, 15 gold. Splendid. Du coup, ça, vous m'avez dit, je peux le vendre, c'est bon, c'est pas grave. Hein. Enfin, si, rache pas trop pour les 39 mois et Stilouchman pour les 17. Qui veut me le racheter 20 gold, quand même. J'ai le droit de le vendre et c'est bon ou pas? Je peux pas racheter un plus 4. Le plus 4, c'est pour les... c'est pour seulement les guns. Pas pour les crossbows. Ah, je le vends, vas-y. Au pire, faudra juste le refaire. Hein. Qu'est-ce que c'est que de devoir refaire? T'as pas vraiment besoin de gold, là? Bah si, pourquoi pas. C'est bien, les golds. Sait-on jamais? J'ai encore deux clés. J'ai pas d'armure, bien sûr. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Des bombes, on en a pas mal. On va aller faire le Golden Chest. Hein. Allez hop! Oh, les bons damage. Random Range Weapon. Ce serait bien d'avoir un casque. Genre, j'ai toujours pas de casque. Putain, que tu lues. Le Krakenito.
Tubekers. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Je me rappelle pas de la moitié des patterns, c'est terrible. Faut que je continue sur la dex parce que seulement 3 dash, c'est pas fou. Oh putain, c'est vrai qu'il invoque le bateau du Hollandais volant. Non, je n'imiterai pas Monsieur Crabbe. Arrête! Ok. Menouille. Let's go. Le jeu a du content que j'ai jamais fait. Le deck of cards. Le deck of cards, il est à 876 001 de DPS. Ah oui, mais c'est vrai que le deck of cards, tu peux changer les cartes. Genre la carte jaune, carte rouge, carte bleue. Changes card color on dash. Ah oui, c'est ça. Et genre les rouges elles font des dégâts de malade, je crois. Hein. Je crois que c'est un truc de fou, ça. Random infusion effect 3 de force. Bon, en fait, c'est de la merde. Rien ne sera meilleur que mon auto-crossbow, de toute façon, je pense. Le problème de l'autocrossbow, c'est que vraiment faut être trop précis, c'est chaud. Deadly Jester Bow, 25% de Critical Hit Multiplier. Cupid Bow. Baseball Cap, Helmet, 250 bonus range damage. C'est réel là? Je viens de gagner 250 de dégâts à distance? UR, joli aussi en hein. En vrai, vu mon pognon, autant que je me heal, j'aimerais bien quelqu'un qui vende des potions, genre. Marche pas le 250 dégâts là, on s'est foutu de ma gueule, non? J'ai plus trop de clés, je vais pas aller chercher de la strength. Hein. Même si j'aimerais beaucoup un level up supplémentaire avant le boss. C'était range, je crois. Mais je suis range. Genre, tu vas pas me faire croire que ça, c'est pas range. Crossbow, physical, trust. C'est range, ça? Je comprends pas, là. C'est moi qui suis con, ou... Non, mais range augmenté et pas damage. Ah, ok, on a 250 de range supplémentaire. Putain, je suis con. Tout simplement, en fait. Ah, donc là, je peux vraiment tirer à l'autre bout de l'écran alors que je pouvais déjà le faire avant. Incre. J'ai la ref. Boop. Avec le pompe test. De toute façon, le pompe, le problème, c'est que plus ça va loin, plus ça se sépare dans tous les cas. Every fight prepare attack will be a guaranteed critical. Oui, oui, oui. Tous les 5 coups on fait un critical, let's go. Coup critique garanti tous les 5 coups vu ma vitesse de ma cadence de tir. Il y a zéro monde où je prends pas ça. Hein. Sell weapons and equipment. Je peux aller là-dessus. Très bien de remplacer mon anneau par un truc plus range. ...50% de Critical Hit Multiplier. C'est peut-être mieux ça en vrai. La capuche là. Parce que 250 bonus range damage... Mais non, c'est écrit damage, on est d'accord. Range damage, 250 bonus range damage. D'ailleurs c'est en jaune, ça a l'air rare en fait. Ah, all stat ou accessory. Tester l'accessory. J'ai vu la match de Cult of the Lamb, ouais, mais ça me sauce pas de fou en fait. Sur la capuche, c'est bien écrit damage. De toute façon, en fait, ça peut se tester, mais le problème c'est que là, sur un boss, bof. On tape en moyenne du combien là? Du 673, un truc comme ça?
Donc là, si j'appuie sur 3, on n'a plus la même capuche. Pff, on n'a pas l'air de faire moins de dégâts, c'est ça qui est bizarre. Enfin, un petit peu, mais... Ah si, un peu quand même. Hein. Mais mes coups critiques font plus mal de 50% avec ça, donc est-ce que c'est pas mieux? Wow, putain, lui, il a les patterns de l'enfer. Hein. Je pense que le baseball est mieux. Hein. La capuche est meilleure. 20% reduce reload time. Ouais. En vrai, ouais. L'anneau plus 1 de point de vie, là, bon. C'est sympa, mais à terme, c'est pas fou. Tu passes de crit à 2k à 2.5k. Ouais. Mais du coup, vu qu'on perd 100 de damage en... sur tous les 4 coups qui sont pas des crit, ça s'équilibre un peu tout seul, en fait. Je me rappelais pas que les biomissiles étaient si vénères en termes d'ennemis. J'ai pas le truc pété que du ranger là où tu peux une fois par salle prendre un coup garanti en mode Elemental. Généralement tu gagnes facilement les runs avec ça. Oula! Vous posera des questions très importantes quand vous tuez un boss et vous donnera des belles récompenses si vous arrivez à tuer les boss. Attunement 1. Qu'est-ce que c'est que cette brasse? Inventory full. Qu'est-ce que c'est que cette brasse? Un peu tard. Ça a l'air rigolo quand même. Pourquoi je perds encore un point de vie si je fais ça? Donc tu pourrais jouer à Shadows of a Doubt. Mais il est pas en 1.0. On behalf of the order of dexterity, we judge you as unworthy. Unworthy? Unworthy? Mais pourquoi je suis unworthy? Unworthy sur la strength? Et unworthy sur le... Quoi? J'ai pas assez dans une seule stat, du coup je me fais fumer la tête. Mais allez vous faire foutre. 20% critical hit chance, 10% movement speed. J'ai quoi en bot? Increase stamina recovery speed. Ah, c'est vrai que Shadows of Doubt, il donne envie de tester. Hein. 20% critical hit. En vrai, ça c'est pas mal. Hein. 20% de chance de critique, ça me tente. Il me l'a foutu où ce con? Ah, c'est une body armor. Hein. On va voir ce que ça fait de tuer un boss avec ça, et puis après au pire on mettra la body armor. Qui c'est qui joue de l'accordéon là? Mais c'est quoi ce bordel là? C'est parce que je suis bourré, qu'est-ce qui se passe? Jedi Survivor il est pas en 1.0 non plus. Oui mais bon... C'est une petite équipe, c'est un petit studio, c'est un petit éditeur qui sait pas trop comment faire pour sortir ses jeux dans les temps, voilà. On va pas taper sur l'ambulance non plus. Hein. J'ai pas compris les bières là. Qu'est-ce qui s'est même pu se passer? Shrine Curse, ok. Shrine Effect est permanent. On va tester la malédiction de l'enfer là. Je vais être maudit. Je veux pas être maudit. On va pas taper sur l'ambulance. Bah on a pas de pistolet donc on va pas tirer dessus. Hein. Moins 5% de movement speed mais 1 de luck permanent. Bon ça sent le plan cul ça. Hein. Plan cul de fou. Ça je te vends ma body armor. Hein. Je te vends mon amethyst ring. Je te vends, je sais pas, ça. Splendide. Je te vends les cartes. Nul les cartes. Je te vends mes bottes. Elles font quoi déjà? Je vais avoir des random boots. Je pense que c'est tout ce que je te vends. Ce sera bien suffisant. Je me rajoute un tipsiness, même si je sais toujours pas ce que ça fait. Vas-y, on va chercher des. 2 stacks of tipsiness, 10% mort dégâts.
Mais lui, il va me fumer, lui, t'es dur, Cerber, je crois. Cerberus. Ouh, putain, j'aime le prendre celui-là. T'es un gamin! No hit, mon pote. Tyler's Rob is asking you which is objectively superior beverage, le coffee ou le tea? Ben j'en sais rien, ça c'est le développeur, il est en train de me dire team chat ou team chien, je veux dire que le thé c'est objectivement meilleur. Correct. La robe est contente et vous offre Tyler's Riches. Grants plus 1 sous l'art. Mais c'est de la merde. C'est tout. Bah, donne-moi des chances de crit, va te faire foutre la robe nulle. 0,5 secondes d'invincibilité après le dash. C'est pas mal ça. C'est nul. Un jeu engagé, je vois. Bah le thé c'est supérieur au café, le jeu a raison. En vrai ça se trouve tu peux pas avoir tort et juste ça te donne pas les mêmes items. Non. Me rappelez pas de ces ennemis à la con là. Multiple potion. En vrai, je vais sûrement pas changer d'arme avant la fin du game là. Hop. Ok, critical hit chance by 10%. Ça, c'est des bonnes potions, ouais. Ah! Elemental orbital rendu, Elemental orbital inflict statue effect. La metal guitar plus 3 release a chain lightning with each attack. Sound magical lightning. Mais c'est basé sur la deck, c'est ça qui est marrant. Ça, c'est juste pour la test. Ok. Waouh. Ça fait du damage un peu le bazar. Hein. C'est pas mal du tout, oui. Après, est-ce que c'est du range qui prend... Je pense, hein. Je pense que ça prend tous mes trucs, là. Après, il n'y a pas de reload time, c'est ça qui est un peu con, du coup. Plus 4, ta weapon, tu peux... C'est pas un gun. C'est pas un gun, c'est que pour les guns. C'est pas du range, c'est du magic. Quel dommage, j'ai pas de build pour le magic. On peut l'enchanter. Ça par contre c'est vrai. Qu'est-ce que j'ai eu? Légendary Metal Guitar. Oh la guitare légendaire. Let's go. Mais ce qui est marrant, c'est qu'elle est basée sur la Dex. Ça qui est assez inattendu. Petit crit à 4K. Après, ça t'a pas très vite non plus. Hein. C'est fort, en fait, c'est que c'est un peu aiming. Auto-aim. Elle est déjà plus 3. Ah oui, elle est déjà plus 3, ok. Dommage, on peut pas la monter plus 4. Random body armor. Random helmet. En vrai, on voudrait plutôt un helmet, vu que le helmet actuel ne fonctionne pas. Elle a pas de reload time, donc un accessoire, ça pourrait être cool aussi. Hein. Oh, c'est le King Ooze. Ouf, ouais. On a vu pire DPS, hein, je pense.
Il est vraiment nul à chier, lui. Hein. Le boss est trop facile. 5 gold found, gold mask, attunement 2. Bah après, c'est toujours mieux que ce que j'ai actuellement qui fonctionne pas. Hein. On n'est pas sur du range damage et je ressemble à Pac-Man, donc j'ai envie de dire let's go. Wow, 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 je me rappelle pas des ennemis là. Hein. À part que lui il fait des lasers dans tous les sens. J'ai l'impression d'avoir perdu des dégâts quand même, c'est bizarre. Ou les ennemis ont de la résistance ici. Increase damage bonus from mana, 25% plus de dégâts aux ennemis at far range. Le bif au proficiency, on s'en fout. Ah, acrobatique, c'est pété. Après, intuition, ça donne envie aussi. While in combat, drop one mana star pour maximum stamina on dash. Ça peut être fort aussi. Hein. Acrobatique, c'est pété. On va prendre acrobatique pour safeiser, mais... Du coup, là, je peux aller sur mes potions, c'est bon, c'est la fin du game. Un inhérent maximum armor, ça on n'en veut pas. Hein. On veut pas d'armor. Hein. Ça doit nous baisser notre dégâts de... nos dégâts de 25%. Random infusion, vas-y, c'est le moment. Hein. C'est le moment! Qu'elle brasse la guitare. Ten room avec du cold. Item in shop, 3 d'intelligence. Recover 1 heart. Rises your level by 1. Power shard. Mais ça, on s'en fout, ça marche plus, ça. Non, mais putain, mais non! Ok, bon, c'est pas grave. C'est quoi le petit bonhomme sur ma barre de vie, là? Pourquoi j'ai un bonhomme sur ma barre de vie? Oh, bâtard. Attends, on peut pas l'exploser. C'est mon Holy Mantle. Ah, nice, on le voit, du coup. Oh, ce que je mets, c'est... Oh, de l'attaque speed, oh là là. Attuning equipped item for a cost of 1000 souls. Peut-être un peu tard pour des dés. Hein. Random magic weapon, high amount of souls. Salut la mort! Donc faut pas que j'oublie que j'ai une potion. Hein. A connu meilleur dimanche. Oh la vache. Ah, so long, hein. Comme qui dirait. C'était une run Megadeth en fait, je reconnais ça. On a toujours pas accès à la suite. Under construction, but somebody left a note. Ah, c'est dans la 0.2.0. Putain, mais on n'a pas la 0.2.0. Putain, j'aurais dû attendre la 0.2.0. Je le savais. Merci Darkzaf pour les 3 mois de Prime. Tu as fait la démo de Viewfinder, pas du tout. Merci Toshikizuna pour les 8 mois de Prime. Lilo pour les 2 ans, c'est son que ne reviendra pas. Le range damage, c'est la fourchette de dégâts entre le min et le max. Ah d'accord, merci Genova pour les 27 mois. Bouquet pour les 16 mois. Deuxième save Dead God, Soon 3, GG. Merci pour les resubs. Du coup, on a débloqué lui, il faut l'acheter pour 10 000 souls. Non mais frérot, il coûte trop cher le pote là. When you dash, deal 50... Putain, il a l'air stylé, mais il coûte trop cher. Et le bard, il faut visiter 10 fois la taverne. Bah, on va continuer à jouer le doppelganger, hein. Ah bah, ça copie le Bard, justement, la prochaine fois que je le joue. Envie de copier le Bard. C'est vrai que j'ai déjà tout ça, non? 2000 souls, gagne 20% increase bomb damage and radius par rank. Putain, non, j'avais pas tout.
Les gifts. Ah, même les gifts, j'ai pas tout. Start with an assortment of 8 dice. Convert soul into soul art. Grant 2 absolutions. Je sais pas ce que c'est que l'absolution. C'est sûrement de, pour te protéger des malédictions. Repair all armor. Unique consumable. Ok. Attends que c'est dans l'inventaire, la tente, tu récupères un cœur rouge quand t'arrives à un nouvel étage. Start with 35 gold. Start 6 bombes. Ça, tu trouves le boss une salle plus tôt, c'est un peu plan cul. J'aime bien la tente en vrai, mais bon, c'est pas si dur de se refaire des points de vie maintenant. Non, j'ai le doppelganger, je l'avais, hein. C'est juste que comme il y a eu des mises à jour, mes unlocks, elles sont buggées. Par contre, oui, le fait qu'il copie le barde alors que je l'ai pas débloqué, ça, c'est bizarre. Hein. C'est bizarre de fou. Essayons de jouer avec les Cinder. Genre Cinder 1 sur Human Limit, ça a l'air ok en vrai. Par contre, les trucs avec les enchantements négatifs, ça a l'air chaud. Des packs of enchanted enemies. C'est chiant les enchanted enemies, je m'en rends pas vraiment pas compte en fait. Je sais qu'on en voit pas mal, mais 5 fois plus. Déjà testé Cinder 1 pour voir si ça fait une grosse diff. Donc là on a copié le bard. Qu'est-ce qu'il fait le bard? Ah bah il joue guitare justement le bard, incroyable. Il joue guitare, il a reduce prices at shops by 1% par niveau. Donc il réduit les coûts des shops. Et il fait quoi? Grant 10 gold anytime you enter the tavern. Ah oui d'accord, en fait il joue les thunes. Il joue les thunes de fou. Par contre son arme elle est clacax, OMG. L'arme est claquée au sol. Du coup si j'arrive à gagner là j'aurai le succès du bard ou pas? Un streamer quoi, ouais c'est ça. À chaque fois qu'il rentre dans la taverne, subprime, let's go. La crise des subprimes. Donc là je vais à la taverne, boum, 10 gold. Papa Noël on s'en fout, lui je sais même plus ce qu'il fait. Storm in a bottle. Non mais putain mais non. Putain heureusement je voulais pas l'acheter. Par contre j'ai gagné 10 gold juste à aller dans la taverne. Et en plus de ça je me rapproche du... de l'unlock du bard gratos quoi. Drop loot when shatter. Ouais fait chier. Par contre il a déjà beaucoup de crit, c'est bizarre. J'ai juste de la chance peut-être. Le patch Jedi Survivor PC pour aujourd'hui, Xbox PlayStation pour demain. Aïe 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 aïe. Non ça va pas du tout fonctionner. Y'a quoi dans le patch? Y'a quoi dans le patch? J'ai envie de trancher des sgegs là. Non, non. Deal 10% more damage, je gagne ses ennemis par statue effect. Critical hit multiplier. Non, arrête. C'est pas ce que j'ai dit. C'est pas ce que j'ai dit. Envie de trancher des sgegs quand même. Hein. Ils ont parlé du patch. Y'a quoi dans le patch? Est-ce que le mode performance il va être jouable ou pas? Random accessory, random boots. Il y a des boots. Ajout de la coupe mulet et de deux couleurs de sabre. Arrête, non. Oh, il est critique. Ta langue! Oh, le ratio. Le passif de la classe, je sais pas. Inspired focus, c'est ça? Ah, c'est ça? Gain 5% critical hit chance par seconde, up to 30% cumulative amount reset when you dash. Ah, c'est pour ça qu'on fait plein de coups critiques. En fait, tant que je dash pas, j'ai plus de chances de faire des critiques. Et c'est le rendering issue, Xbox, PlayStation, plein de choses, rendu, collision, crash, etc. Non mais en vrai, ça, on s'en fout. Sur PlayStation, ce qui va pas, c'est que le jeu, il tourne pas. Je t'ai mis le détail sur Discord. Vas-y. Vas-y, j'arrive là. Jedi Survivor, PlayStation 5, multiple crashes, fixes, performance improvement. Performance improvements across PlayStation 5 et Xbox Series. Aïe, 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 aïe. Est-ce que ça va être vrai? Est-ce que...
Bah, est-ce que ça a vraiment fonctionné? Il prouve performance. Elles sont où mes chances de critique là? J'en fais pas. Is your level by one. Tornado Wand. Violent Composite Bow. 50% de chance de trigger refire. En vrai, lui, il a l'air sympathique, hein. Le 50% de chance refire, là. En vrai, il a des dégâts claqués au sol, de base, c'est bizarre. C'est une arme jaune, le lutte? Non, même pas, c'est ça qui est bizarre. Son passif change à chaque étage. Grant ce gift box when you gain a new trait. If you don't acquire a new trait this floor, gain a power gem. Ah oui, d'accord. Et le passif n'est jamais le même. Putain, mais le passif du critique est OP en fait. Oh, je regardais le chat, quel abruti. Du coup, j'ai perdu un cœur. Oh putain. Oh, là, là. Dur le bard. Hein. Ce qui est chouette avec le bard, c'est qu'il a pas de, il a pas d'HP max quoi. Tu peux pas vraiment te soigner. Faut trouver des HP up et ça c'est chaud. Ouais. Il me faudrait acrobatics pour être sûr de pas me faire pour pas me faire douiller. J'adore de jeu sur Star Wars genre 8h, 9h, un truc comme ça. When you dash, gain 25%, 20% increase movement speed, 25% chance trigger refire with range attack. On rage attacks throw a grenade that explodes into multiple projectiles on impact. 3,93 reload time. Grenadier, ça a l'air sympa, mais sharpshooter a l'air cool aussi. Je vais tester sharpshooter. La gift box, 3 random rewards. Merde, ça m'a refill. Putain, je voulais pas ça. Ça m'a refill mes potions. Alors que j'avais pas de quoi les utiliser. On voit la règle et tout. Okay. J'ai pas de thunes. Multiple random dice. Allez. Un build coup critique là. Ah putain, j'avais pas vu lui. Alors qu'est-ce qu'ils font les dice que je connais pas? Reroll upcoming rewards for next rooms. Ça c'est les traits et ça c'est exchange trait with a random new trait. Obsidian dice. Ok. Magic weapon, je m'en fous. Random accessory, pourquoi pas. Ouais. J'ai pas d'accessory donc. Oh, le patch Jedi là. Bah, c'est impossible qu'en un seul patch les performances soient réglées sur PS5. Genre, j'y crois pas. J'y crois vraiment pas. Ou alors le jeu va tourner en 180p, tu vois. Ah, vous vouliez du 60 FPS? Bah, c'est bon, hein, vous l'avez. Par contre, vous tournez en 180p. Désolé. Normalement, faut savoir ce que vous voulez, hein. Putain, mais il est trop dur ce boss, c'est un boss du monde 2, calme-toi genre. De vie de méta, ça va toi. Bah j'ai faire de prévu pour le jeu, je pense que celui-là un jour il sortira en FR. Hein. Defy Death one more time per floor, gain a soul art when you defy Death. Putain, c'est pas mal ça. Hein. C'est pas mal du tout. C'est quoi le problème avec le 180p? Qui regarde ce stream en 180p? Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, je veux pas utiliser la potion. Gift box when you gain a new trait, c'est tout. Moi, personne, SPP. Je sais pas pourquoi tu me ferais pas confiance. En fait, c'est terrible parce que si là, par exemple, en une semaine, ils arrivent plus ou moins à faire des miracles, tu te dis, mais genre, imagine à quel point, genre, ils auraient juste pu push des mages encore de leur côté et sortir le jeu dans un état plus propre si juste il y avait eu un report d'un mois, tu vois. S'ils commencent déjà à faire des bonnes choses en une semaine, enfin même pas une semaine, et que genre dans 2-3 semaines ça va mieux, imagine, j'aurais juste push le jeu un mois, mais genre non, EA a pas voulu, ou truc comme ça. Enfin, ça me dégoûte.
Ça existe pas sur Twitch le 180p. Ah oui, c'est 480. C'est 160p, pardon. Mais qui regarde en 160p? Si vous regardez en 160p, vous habitez en Moselle. Tut tut tut. Oh non, j'ai pas le build pour ces ennemis-là déjà, là. Je fais pas de dégâts. Le helmet will break if damage is enough. 3 d'armure. C'est mieux que rien d'avoir, non? Ah non, j'avais quoi déjà? Reduce price at shops by 1% par level. Ah oui, ça coûte 11% moins cher. Pff, en vrai. Grant an ethereal dice upon killing a boss. Je sais pas quoi prendre. Ma vie pue là. La guitare fait pas plus de dégâts? C'est la question. Hein. La guitare fait pas spécialement plus de dégâts, non. Surtout à la moindre range en fait. J'ai 22. Ça, c'est y a de l'attunement là-dessus, non? Ouais, attunement, fais chier. Donc là, aller au shop avec 22 balles, c'est quand même. Même pas la dinguerie, quoi. Ba-ba-ba-ba. Des bombes et des gold. Ah, le pawn shop! Pour faire des golds en vrai. On n'a pas retrouvé de taverne. Hein. Coup du 1. 6 golds. Je peux vendre ma guitare? 3 golds la guitare. Ça c'est 10 golds. Ça c'est 1 sous l'art. Au moins je trouve des points de vie, c'est cool. Ça devait pas être 10 gold d'aller au shop? Non, c'est dans les tavernes, malheureusement. Ouf, ça fait terrible cette histoire. Putain, mais je vais me faire fumer là, genre. Random potion, medium amount of gold, mais putain, mais. Donnez-moi des armes, je sais pas. Des armes enchantées, là. Mon barde, il sent le ziz. C'est quoi les icônes sous les points de vie? Ça, c'est mon Defy Death. C'est les... Je sais pas, y en a plein. Il me semble qu'il y en a un des deux, c'est Defy Death. C'est-à-dire que quand je meurs, j'ai le droit de revenir une fois à la vie. Et après, il y a d'autres trucs. En fait, c'est les... Avec les souls, là, entre les games, tu peux acheter des bonus passifs. Random off-end item. Il y a des passifs dont je me rappelle pas. Il sent le renflement brun, ce barde. Bah non. Regardez comment je m'en sors trop bien sur Mandrake. No hit. J'arrive pas à viser. Ok. Voilà. Une dinguerie, s'il te plaît. Mais les weapons deal fire damage et inflict burn. Mais je m'en fous.
Je joue pas, mais les weapons. J'ai le seum. 3 de dextérité, je prends. Même si en vrai, je sais toujours pas ce que j'en fous de toute cette dextérité, je prends quand même. Ça, c'est la tombe qui annonce vraiment le destin de cette run. C'est cool. Il y a des bras qui sortent du sol. Putain, c'est les tombes qui font ça? Il y a un ennemi que je comprends pas, là. Attends, j'ai pas un truc pour reroll les récompenses de salle, là. Les récompenses de salle, elles sentent le ziz. Oh, des potions, putain. Oh, c'est imminent, je vais avoir une vraie arme, là. Vraie weapon incoming. Faut que je retrouve la guitare, c'est le bard, c'est RP bard. C'est quoi mon passif pour l'étage, là? 30% more damage at close range. Putain, mais il veut que je joue mêlée. Mais comment tu veux que je joue mêlée? J'ai pas d'arme. Après, close range. Ah oui, ça marche aussi avec l'arc. Je fais plus de dégâts au corps à corps. Après, je fais plus de dégâts au corps à corps et à distance. Donc bon. Pourquoi pas. Contains rare weapon. Allez, par pitié, par pitié. Le piranha gun. Le Warfans. Après, ce qui est bien, c'est que le Warfans, j'ai que de la dex. Le druide, la druide Bible. On va prendre Warfans, hein. Peu importe que ce soit bien ou pas bien, c'est basé sur la dex. 3 de dextérité. Oh oui! Oh la dinguerie! Voilà, bah ça joue! Ça joue enfin, putain! Tirana s'est rincé, ça a l'air. Sword, Dagger, Cycle, Sights and Chakram gain increase attack speed from mana. Ok. Increase attack speed, 10% large damage gain. Ok, attack speed. Attack speed, c'est la dingouze. Ça joue, c'est officiel. Le shop, j'ai beaucoup de thunes, donc pourquoi pas. 100% increase health flash construction speed. C'est de la merde. Quand tu dash, tu gagnes 10% de critical hit pour 4 secondes. 25 base magic damage. Donc le truc là. C'est range 120, bonus crit chance 20%, grand tailwind en hit. C'est quoi tailwind? Quand je touche les ennemis, je gagne tailwind. Je sais pas ce que c'est. Quand je dash, je gagne 10% de critique. Ça donne envie en vrai. C'est mieux que la recovery speed peut-être, je sais pas. Je sais pas, j'en ai rien acheté. De l'action speed sûrement. Tailwind, 5% increase attack and movement speed par stack. Oula! Ah oui, d'accord. 5% attack speed et de mouvement par attaque. Enfin, par stack. Et du coup, ça se stack combien de fois? Max 4 stacks. Ah oui. Ah oui! Mais oui! Oh la dinguerie! Oui! Allez! Au suivant! Shift sur l'arme pour les infos. Ah oui. Ok, my bad. Je pensais que c'était juste pour comparer le shift. Une crise damage par stack en bûche. Ah non, gain 5 gold anytime you go through the right door. 5 gold à chaque fois que je vais à droite. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est pour les... Oh. Oh la salle horrible. Pourquoi il y a des confettis là? Alors on va aller à droite hein. Said Macron. Pardon. Pardon, pas de politique le 1er mai. Hein. 3 de dex. Ah bah ben on va aller à gauche. Oh la taverne, il faut que j'aille à la taverne. J'ai plus de clé, non!
Il fallait que j'aille à la taverne, j'ai besoin d'y aller plusieurs fois pour débloquer le bar de manière permanente, et en plus de ça je gagne 10 gold quand j'y vais. Oh putain. Non. On a remort. Medium amount of gold. Random potion. Oh, je suis en train de stacker les golds. Hein. Quand on va pouvoir enchanter notre arme. Chop, arrête. Infuse weapon with fire. Permanently. 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 Oh my god. Alors là, ça a piqué des culs, là. On a mis tous les éléments sur notre arme. Enfin, je crois que ça marche. Hein. GG, well played. J'ai pas de clé, palier. Ouais, ça marche. On a bien les trois bails. Random boots. Mes boots, elles sont pas si mal. Je peux pas reroll ici, non? Random magic weapon, on s'en fout. Ah, random boot. Oh la vache! Le bard qui était si mal parti et finalement... Et finalement tout va bien. Le cassage de gueule, là on règle. Hein. Deal 25% more damage at far range, on a le Song of the Coward, donc faut taper à distance. Pour cet étage. Alors après taper à distance avec cette arme, je sais pas si c'est si facile que ça. Level up. Là il me faut les dégâts sur les cibles qui ont un enchantement en effet. Gain momentum on dash, deal 10% against enemy par statue effect on them. Yes, c'est ce que je voulais. C'est exactement qu'est-ce que je voulais. On a eu exactement ce qu'il fallait, ça régale. Rigged. Comment ça, Rigged? J'ai combien de dextérité? J'ai 20 de dextérité. Waouh. C'est un teu. Lock chest that contain a weapon. Non. Oh putain, mais la dex, mais comment c'est possible que j'enchaîne autant la dex là? Je vais faire un record du monde de dex. Si, le, si les petites souris elles me disent que je suis unworthy de la dex. Putain la vache. 50% increase effect of chill and frostbite. L'arc, à mon avis, doit être dingus! Merci Tobit pour les 29 mois. Il doit être dingus, mais bon, le truc c'est que j'ai pas les enchantements dessus en fait. J'ai quoi actuellement en ring? Defy Death one more time pour floor. Hein. C'est vrai que c'est pas mal, hein. C'est peut-être mieux que, le, que ça là. Merci beaucoup Tobit pour les 29 mois, bonjour. Victor McBernick, merci pour les 29 mois aussi de Prime. Arutia pour les 20 mois, Sorsim pour les 22. Désolé, j'avais du retard sur les sub et resub. C'est toi qui es enchanté, non? Infusion c'est sur le perso, pas l'arme. Ah bon? Weapons deal fire damage. Ah ouais! Ah ouais! Non mais c'est réel en fait. Ah c'est totalement réel. C'est bon, il est à moitié homing l'arc là. Upgrade weapon, repair armor. On verra qui a le meilleur enchantement et puis voilà. Hein. J'ai quand même l'impression de faire encore plus de dégâts avec ça pour l'instant. Et surtout qu'il a un meilleur effet. Pound shop.
Ouais. Un ok item. Ça va, c'était pas de la merde non plus. Big amount of gold. Tellement de tics avec l'éventail, c'est ça en fait. L'éventail, il full tic, c'est un délire. Oh pardon. Pardon, pardon. Non mais c'est dingus là. Hein. Les dégâts c'est n'importe quoi. Hein. L'arc plus confortable niveau range, oui mais là le DPS, hein, genre les ennemis ont même pas le temps de faire leur pattern en fait. Peut-être pour les étages des fois ce sera mieux d'avoir l'arc mais... Juste on fait trop mal en fait. Passif de l'étage. Give box when you gain a new trait. Amazon Spear plus 2. Swift Blade plus 1. Manticore plus 3. Ah les petits volcans là c'est bien de la merde ça. Hein. Bottle of booze. Multiple potion. Putain, j'ai plus de clé, c'est terrible. J'ai vraiment pas eu de clé dans cette run. Hein. Ma run horrible, là. Ma run zéro luck. Comme d'hab, en fait. Hein. Vraiment pas de chance, moi. Ah si, Doc Lapin pour les 9 mois de prep à l'instant. Enfin, à l'instant, il y a 3 minutes, quoi. Un petit proficiency au lit. C'est quoi, proficiency? Ah oui, c'est pour passer mon en S, en rang S. J'avoue que je suis chaud. Hein. Ouais, je prends les gold, mais ça fait chier, les récompenses de ça, elles sont pas folles. Hein. Dodge Jed. Un événement. Oh, dis-moi si je suis worthy de la Dex, par pitié. C'est pas ça. Investigate the runestone. You cannot comprehend the arcane nature of the runestone. Ah, parce que je suis pas, j'ai pas pris l'intelligence dans cette run. Putain, fais chier. Faut jouer un tel pour ça. Jamais récompensé de ma Dex. C'est la meilleure stat du jeu en même temps. Merci dames à l'instant pour les 14 mois de prime. Merci Chiche pour tes lives, des bisous. Intuition, 1 plus 1 tout dextérité pour proficiency. En vrai je vais prendre ça parce que acrobatique c'est pété, mais j'ai envie de tester jusqu'où on peut faire du dégât. Blacksmith Whetstone. On est d'accord que ça c'est plus 3, ça c'est plus 3 aussi, donc pour l'instant ça ne sert à rien. Random accessory. High amount of soul. Donc là, mon arme, elle est bien S, quoi. Putain. Non, Sulfura, il est énervé, je crois. Pardon. Pardon, pardon. Je suis désolé. Il est énervé, mais toi aussi. Mais moi, je suis plus qu'énervé, là. C'est... Les éventails peuvent être plus 4. C'est quoi comme arme? C'est une arme de mêlée. Sickles mêlée. Ah oui, donc en fait, à la taverne, je peux totalement les passer plus 4 avec le PNJ qu'on a vu tout à l'heure. 30% d'attaque speed si j'ai dash dans les 4 dernières secondes. Oula, ça peut partir en couille, ça. Ils sont obligés de me mettre 50 ennemis par salon. Hein. Je savais même pas que c'était une arme de mêlée en fait. Oh la taverne. Oh il est là. Oh let's go. Donc là si j'appuie sur 2. Plus 4. Et maintenant il faut que j'enchante.
20% damage against fiends and undead. Oh, y a mieux que ça, non? 10% critique. En vrai, oui, ça c'est bien ça. Pas besoin de taverne, t'as déjà l'item. Non, c'était ça, la whetstone. Ah putain, melee weapons up to level 4. Putain, oui, en fait, je l'avais déjà. Je savais pas que c'était ça qu'on lootait en fait. Ok. De base, ce truc là, ça permet de passer level 4. Ice Orbital surround you. J'ai quoi déjà? 10 gold anytime you enter the tavern. Ah, c'est pas non plus la dingue en vrai. Hein. Ça, c'est demain. Dis-lui. Les 10 gold de la taverne, je crois qu'on s'en fout. Hein. C'est officiel. Hein. Oh, le con. Le débile! Stuff for melee fighter. Oh non. ...5% défense penetration per hard container you have. 25% increase attack speed. Wow, dingous. Gladiator helmet. Oh, je vends tout. La whetstone, on peut pas la vendre. En vrai, l'arc, il pue la merde, hein, comparé à ce que j'ai là. S'il rapporte beaucoup d'argent, le frérot. Mon build est fou. Mon build est fou furieux, là. Ah, d'accord, je peux rien réparer parce que c'était des trucs qui se cassent. Ah oui, j'ai perdu mon casque, en fait. Ok. Melee weapon, body armor, les dons on s'en fout. Hein. Vas-y, print pour les 4 mois de prime. Merci beaucoup. Oh, c'est Lilith. On va jouer à des 4 là. Petit Diablo là. Je lance Diablo là, je l'ai là. Ce DPS MDR. Hein. Qu'est-ce qu'il a mon DPS? Evade the first damaging hit you take per floor. Alors ça c'est OP. C'est comme avoir acrobatique. Ah non, c'est per floor. Hein. Ah oui, normalement c'est per room, mais du coup là c'est per floor parce que j'ai pris le Cinder 1. Ok. Je sais pas s'il fait en vrai. Tout le monde a Diablo. Oui, bien sûr. On taille une weapon, on s'en fout. Il manque encore un truc pour faire du DPS, j'ai l'impression. Il manque genre un petit truc. Il manque un bonus. J'aurais pas exactement expliqué quoi, mais il manque un petit bonus. Inflicts Divine Departure. Le Railgun plus 2 S plus Lightning Main Projectile deal 500% damage. Ça c'est S, le supérieur glyphon. Ça a l'air fou ça. Ça tape pas vite par contre. Hein. 0,5% increase damage per 100 soul you have. Ah ouais. À la place de quoi déjà? Ah, le Defy Death one more time. On va le tester pour voir. Hein. Le Railgun, je sais pas trop quoi en penser en vrai. 909, 1010. Je crois que ce soit pas si fou en fait.
t'attends combien? Toutes les 5 attaques, critique garantie. 5% crise damage, when you complete a room, reset each floor. Rampage, c'est pas mal aussi pour aller taper les boss. Hein. Je vais même prendre le swagger. Ça, ça met du temps à tirer en vrai. Si tu loupes le railgun... Waouh, mais il y a des légendaires maintenant, regarde. 150% increase damage from mana. Spawn a mana star every 5 secondes. Ça pour jouer magie, c'est une dinguerie. Hein. Petits équipements lèges là. Ça vaut combien ça? What? A Cloak of Mistra? 25 balles, mais c'est tout? Mais tu te fous de ma gueule? C'est pas cher payé, hein. Le Zephyr plus 2. Range Weapon plus 1 à All Stats. Oh, c'est que tu lues. En vrai, je pense qu'on fait vraiment moins mal avec ça. Je sais pas ce qu'on en pense, mais... C'est sympa, mais... Oh, ok, j'ai rien dit. Ok, j'ai rien dit. J'ai rien dit. J'ai absolument rien dit. Je rigole. Et j'ai rien dit. C'est moins consistant. Ouais, je sais pas. 30% more damage at close range. Ah, du coup, ça va pas trop avec mon... Ça va pas trop avec le railgun, le close range. Ça va plutôt avec l'autre. Ouais, je pense que pendant l'étage, on va utiliser ça à close range. Et après, pour le boss, on utilisera le railgun. Ouais, j'ai eu raison, je pense. C'est un délire, ça, hein. Ça fait trop mal. Hein. Take the strange orb. Abyssal orb, fragments of the abyss float within the orb, even while sealed, the strange fluid radiates corruption. C'est quoi ça? C'est un charme. Je sais pas ce que c'est que ce bazar. Non mais non. Les dégâts, c'est n'importe quoi là. Attends, mais le railgun, c'est un gun, non? Tu dois pouvoir le monter plus 4. Gun ranged. Tu peux totalement le monter plus 4 en fait. Ah oui, je vois, les ennemis ont un debuff en plus sur la tête. Faut trop de clés dans ce jeu, hein. Ça curse les ennemis, on dirait que ça curse les ennemis. Hein. Bon, super. La belle baise là. Les... Ah oui, c'était des boss, ça. C'était des boss du niveau 2. Hein. Bonfire Room. Attune Equip Item. No. Random Body Armor, Random Melee Weapon. Bah, de toute façon, on s'en fout. Hein. C'est officiel, hein. C'est officiel ce qui est en train de se passer là. Il est mort, je sais même pas de quoi. Il est mort de je sais quoi. Je sais même pas pourquoi il est mort. Hein. Oh, t'as la Meteor Armor aussi, waouh. Fondu comme la PS5 sur Jedi Survivor.
Il est mort de vieillesse. Ouais. Instant baisse. Les infusions. Il a pris trop cher, le pauvre. Hein. J'étais à distance, je faisais rien et il est dead. J'ai le droit d'acheter le Gunslinger. Hop là, Gunslinger. Par contre, j'ai toujours pas le Bard. Bard 6 sur 10. Et lui, la prochaine fois, il jouait le Cléric. Et là, si je vais dans mes Cinder... Current Streak Details. Current Win Streak 2. Current Cinder Sum 1. Your Current Sum High Score 1. On va tenter de la streak 2 avec ça. Hein. On va faire Megadeth avec ce build facile. Ouais, après Megadeth, je l'ai déjà fait. Je vois pas trop l'intérêt de le refaire. C'était un boss un peu unfair, je trouve. Enfin, à l'époque, c'était unfair de fou, je trouve. Je l'ai, le Wizard, ou pas? Sorcereur. Pyromancer. Ah, j'ai pas le Wizard. Le Wizard, c'est encore une nouvelle classe, en fait. Le Thief, je l'ai, on est d'accord. Oui, le Thief, je l'ai. Doppelganger, je l'ai. Deprived, je l'ai, c'est lui, là. Le Bard, je l'ai pas. Le Bandit, je l'ai, c'est lui, je crois. Non, c'est lui. Non, attends, c'est qui, le Bandit? Le Bandit, il est là. En fait, il me manque. Soldier, je l'ai. Wizard, je l'ai pas. Have 10 or more maximum mana stars. Progresse 5 sur 10. T'as pas le Warrior non plus. Ah si. Knight, Pyromancer, Range. Si, Warrior, il est là. Non, il me manque Wizard et Bard. Mais je comprends pas le truc du Wizard. Have 10 or more maximum mana stars. Progresse 5 sur 10. Quoi, faut faire un build full mana. Et avoir 10 étoiles. Donc partir full intel, en fait. C'est pas le Bandit qui va partir full... Enfin, le Gunslinger qui va partir full intel. Hein. Faut jouer full intel et mana. 50% more damage for 1 seconde when you dash. Recover 1 stamina on reload. Trick shot. Ah oui, d'accord, ok. Vas-y, on va jouer lui. Merci Darkoniel pour les 16 mois de Prime, Netardan pour les 26 mois, merci beaucoup pour les resubs, des bisous. Après un dash, il fait plus de damage du coup, le frérot. Et il recover de... Il reprend des dashs quand il reload. 15% increase range damage. Increase damage per current stamina you have. Et il commence avec des trucs sympathiques en vrai. Hein. On a vu bien pire. Hein. Ce qu'il y a, c'est que son gun, il a une vitesse de tir qui est énervée, en fait. Il me manque 4 classes en tout. Comment ça, il me manque 4 classes? Imo, il me manque le Wizard et le Bard. Le reste, c'est délu. Si vous pensez qu'il me manque des trucs, le reste, c'est délusionnel. Hop, 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 j'ai pas de bombe. Merde, ils sont enchantés, les fumiers. Le soldier, mais je l'ai, le soldier, non? Ah, ou alors il y a des persos cachés en vrai. Il y a des persos, je sais pas comment les avoir. Hein. Il te manque le petit clown. Quoi, la tornade là? Arrêtez avec l'intelligence, je suis pas un joueur intel moi. Ouais, ouais. Je confonds le soldier avec un autre perso. Ouais, je le confonds avec le knight. Okay. Increase attack speed, critical hit multiplayer. À chaque fois, c'est ça qui nous fait faire des dégâts de fou en vrai. Prends l'attack speed. En vrai, à quel moment tu prends pas l'attack speed en fait? Ça, le vrai bail. Après, attack speed, c'est pas reload time. Hein. C'est vrai qu'il faut oublier ça. Random magic weapon, random body armor.
Pourquoi y'a pas un mode arachnophobe là? J'ai peur. Au moins Jedi Survivor il en a un. Bon il tourne en 15 FPS mais il a un mode arachnophobie. Acid Cloud Scroll. Oh la grosse merde ça. La dextérité améliore aussi le reload time maintenant. Merci Bouguette pour les 16 mois, merci beaucoup. Les 7 mois pardon, merci Bouguette. La grosse dumps. C'est nul ça. Spectral Blade. Mini B. Plus 1. Le supérieur triangle. Non mais ça va. Hein. Il m'a pris pour un connard ou quoi. C'est quoi mes stats? 4-3-0, 4-3-1. Mini B. On va prendre le mini B. Hein. Pas de clé, je peux pas aller au shop. Merci Liloling pour les 11 mois, des bisous, des bisous. Enfin de la Dex. Oh non, pas les chapeaux là. C'est un peu du lâchier ça. La taverne. Ah. J'en prends une parce que si j'ai un gun pété, plus tard je pourrais le monter. Je pourrais le monter au level 4 grâce à ça. Donc le but, trouver un gun, un gunos pété et le monter level 4. Vu que Gunslinger ça joue les gunos. Ça me semble être une bonne idée. Merci beaucoup Sekinovic pour les 22 mois de Prime. Des micro-freeze, je crois pas, non. Sinon le chat le dirait, il y aurait pas que toi, je pense. En cette fête des travailleurs, là. Petit railgun, ouais, un railgun par exemple. Range weapon. Je crois mort. Bon. Regarde la VOD de Jedi, c'est pour ça. Ah, c'est possible. Après, la VOD de Jedi, elle rame pas trop, hein. Ah, après j'ai regardé en vrai. Avec l'encodage Twitch c'est moche, mais genre c'est bien pire sur mon écran. Genre vous avec l'encodage c'est encore à moitié regardable Jedi Survivor PS5 en mode performance. C'est juste moi de mon côté c'est vraiment injouable. Hein. Les moments où t'es en 15 FPS, bon en stream ça se voit mais c'est pas si horrible que ça. Hein. À jouer sur ton écran chez toi c'est waouh. La dingouze. Trouver une arme là. Faut vraiment que je trouve une arme. Qu'est-ce que c'est que ça? Le throwing javelin. On lance littéralement des lances. Merci Batman pour les 3 mois de prime. C'est possible que ce soit pire que ce qu'on avait. Ah oui, non mais le totalement. Hein. Ce que vous aviez, je vous jure, c'était pas si moche. Hein. C'était moche, mais genre. Un jeu qui lag en stream quoi. Pas, c'était pas plus moche que ça en fait. Sur mon écran, sans les bails d'encodage, etc., c'est vraiment la version nette qui arrive devant mes yeux, là, c'était cauchemar. Hein. Une run qui sait pas trop où elle va en termes de stats, on a de l'intel, on a de la dex, on a de la force. On sait pas bien. J'aimerais trop avoir une arme légendaire, en vrai. Ça veut pas loot, j'ai l'impression. Non, il m'a spawn dessus. Oh. C'est bien ça parce que ça transperce, genre. Ça fait très peu de dégâts, mais ça transperce. 2 dextérité moins 1 de strength. When you dash, instantaneously refire your next attack. C'est pas mal ça, hein. Surtout sur un railgun genre. Modifier to movement speed also apply to attack speed. J'ai rien sur la movement speed actuellement mais ça peut être fou. J'ai quand même reroll.
Swagger, j'aime bien, j'aime beaucoup. Faut arrêter avec la force, monsieur, là. C'est bon. Add plus 1 tout type Sinès. J'aime bien ça, hein. Et il me donne pas de... Pourquoi ? Il m'a rien donné le fumier là. Ah non mais parmi les ennemis enchantés il y a quand même des belles saloperies. Là. Merci Shaoran pour les 4 mois pour les travailleurs du travail. Clong clong les casseroles. Team casserole ici, chiche casserole. Le pawn shop. J'ai besoin de gold là tout de suite. Le mini bi, franchement je l'aime pas. Ça. J'ai pas aimé non plus, d'ailleurs ça vaut 0 balles. Ce gun pue la merde. Random accessory, random magic weapon. J'ai pas un truc pour reroll les récompenses, non. Coup dur. Accessory alors. Et il est pas folle là sur les damage. Hein. Je me rappelle même plus du boss, l'autre boss ici. On a eu tellement 3 fois Mandrake là. Quoi ? Non. Oh. L'abeille, l'autre boss. Ah oui, c'est ça. De Mana Star every 5 secondes. Ah, c'est Osef puisqu'on joue pas. Mais on peut partir ou pas ? Mais. Le crash test serveur Diablo 4 dans 2 semaines. Non, on jouera à Zelda en vrai. En vrai, la taverne va pas apporter grand chose là. Il faut que je trouve du loot, faut que je trouve une meilleure arme, faut que je trouve des cœurs, un truc comme ça. La Gold Crown. 10 rooms to duration of effects. Ah, c'est pas mal, mais c'est pas non plus la dinguerie quoi. Ah, ok. Alors, c'est parti. Le Outstanding Money Gun gagne plus 5 base damage per gold you have. Ça peut être rigolo ça. Hulking Flammarang. 20% damage inflict burn. Sachant que mes stats c'est 1, 12, 4. C'est pas non plus la dinguerie. Et le Snow Launcher. Gun ranged. Plus 1. J'allais tester le Monégal Power, mais ça se trouve, ça pue. Hein. En plus, il tire devant lui, au secours, pourquoi ? Je suis obligé de prendre ça. Je perds du damage bonus, mais tant pis. On revendra toutes ces merdes, là. Allez, je perds tous mes golds, comme ça je fais 0 damage, let's go! Le fameux Flammarang, vous avez jamais vu Batman avec le Flammarang? Je suis sûr qu'il y a un Flammarang dans Batman le dernier là, hein, dernier jeu là. Bon, battons-nous avec ça pour l'instant. On va essayer de se créer un build avec le Monégal Power, mais pour l'instant c'est chaud.
Faut que je vende des items et tout. Quand j'aurai vendu des items, ça ira mieux. Pawn shop, voilà, ça c'est bien. On va aller vendre des saloperies ici. L'étoile. L'étoile du berger. Ça. 15 gold. Et en vrai, ça, ça doit pouvoir se vendre aussi, non? Ça vaut rien. C'est combien de base DPS? Gagne plus 5 base damage per gold. Ouais, donc c'est pas mal en vrai. J'ai pas de boots, tiens. C'est pas la folie, mais c'est pas mal. Ça devrait être suffisant. Les bases damage, ça avant tous les multiplicateurs et tout, donc... En fait les casseroles aujourd'hui, ouais. En fait les casseroles mais sur des roguelikes. Parce que pourquoi pas à vrai dire. Tu utilises pas là. Le gun? Non, j'attends d'avoir plus de gold et... Pour l'instant je pense que ma meilleure arme reste la lance. Ce serait pas mal c'est de l'utiliser genre en plus 4. Et avec plus de gold. Je me le mets de côté en fait. C'est déjà les problèmes. Je confonds les chauves-souris. Il n'y a pas eu de patch récemment, mais j'ai loupé des patchs en fait. 0,5 secondes d'invincibilité après le dash, c'est bien. J'ai loupé pas mal de patchs, j'avais envie de roguelike. Bon, je me suis dit celui-là. On va peut-être en tester d'autres après. Mais va y avoir un gros patch bientôt apparemment. Drop gold when shattered, 1 de dextérité. Ça donne beaucoup de gold ça ou bof en fait? C'est la question surtout. $54. Buy item in shops. Wow, 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 wow. L'enfer de cette zone. C'est quoi? C'est un de stamina. Bon, je vais vendre ma lance de merde là. Je vais vendre ça. Qu'est-ce qui se passe si tu vends toutes tes armes? Est-ce que tu peux continuer à jouer au jeu ou pas? Take a rest. You feel refresh and relax. You feel relax, 20% increase stamina recovery speed. Bon, ça va. Attends, c'est bien le vrai DPS que je viens de voir là? Pourquoi j'ai fait des 2000 en critique? Oh, is that possible? Oh, il est insupportable à tirer le gun, mais il fait déjà des bons damage en vrai. Hein. Oh, le money gal power de zinzin quoi. Oh, le truc de Zinzinus. On va me faire des stats par contre aussi. Hein. On est en retard sur les statistiques là, on devrait déjà avoir un trait supplémentaire je pense. Il est insup à gérer le gun. Il part dans tous les sens, c'est horrible. Sur les boss ça se verra moins mais là... Pouah. La anti-dinguerie quoi. Sur sa façon de tirer, c'est un délire. Hein.
Qu'est-ce qu'on aimerait bien? Acrobatique, c'est pas ouf parce qu'on a la Cinder qui fait que c'est qu'une fois par étage. 40% plus de dégâts, but your critical hit chance is 0%. Les effets des potions sont permanents. Mage Blood, c'est pas mal en vrai. Hein. Juste, j'ai pas de potion là, mais on peut jouer potion à partir de maintenant en fait. On est encore assez early dans la game pour que ce soit utile, Mage Blood, je pense. Ah mais du coup, j'ai la ref en fait. Mage Blood, c'est PoE, j'avoue, c'est un joueur de PoE. Putain, je suis trop con, moi. C'est un gros joueur de PoE, en fait, le man. Mage Blood. Maintenant que je sais ce que fait la Mage Blood sur PoE, ça tombe sous le sens. Putain. Mais je crois qu'on me l'avait déjà dit parce qu'en fait même les boss c'était des refs à PoE pour beaucoup. Il y avait des boss qui étaient des refs à PoE. C'est son pire pattern celui-là, vraiment horrible. Le dev est un puant. Peut-être pour ça qu'il y a moins de mages aux alentours des sorties de saison de PoE, hein, ça se trouve. Genre il est en mode, non, vas-y putain, je dev pas, je clique là. C'est chiant cette précision du gun là. Il me faut monnaie égale précision maintenant là. J'ai pas de clé hein. En même temps, est-ce que l'arme serait pas trop puissante sans le manque de précision? Genre, elle a l'air un peu broken, cette arme. Proximity, défense, enchanted. Ouais, les effets d'enchantement des ennemis, là. Arcane, enchanted. Arcane, enchanted, ouais, ok. C'est de là que lui viennent les idées, hein. Ça fait très RPG aussi, les ennemis enchantés comme ça. Est-ce que l'arme scale D? Ah oui, en fait, les stats, on s'en fout pour cette arme. Tout ce qu'il faut, c'est vraiment juste du... Tout ce qu'il faut, c'est du pognon, en fait. Tu peux prendre les stats que tu veux, il faut juste du Pawnlar. Le Pawnlar Express. Et rien d'autre. Laser Enchanted. Donc là, personne n'est enchanté ici. Ça se voit tout de suite. Hein. C'est comme les élites en fait dans les ARPG. Quoi. Ils ont des effets supplémentaires. Des potions, s'il te plaît! Vas-y, j'ai jamais de potions! Lock chest, ça contient une weapon. Donc là, ils sont enchantés par le. Par les boucliers là. Shield enchanted. Prennent moins de dégâts tant que t'as pas cassé le bouclier. Buy items in shop. Serait bien une whetstone en vrai. Ouais, je vais toujours aller chercher des gold. Ah, il me faut la taverne là. Non, il me faut le forgeron. Putain, ouais, il me faut le forgeron de fou en fait. Surtout si je commence à prendre des tartes comme ça. Y'a jamais le forgeron! Oh oui. Think. Upgrade 20. Mais est-ce que ça va vraiment servir? Parce que là, genre, mon gun, il est plus 4. Et en fait, il a rien gagné, j'ai l'impression. Genre, ce serait marrant que le gun en plus 4, tu gagnes pas, mais genre, tu gagnes pas 5 base damage par gold, mais plus, tu vois. Ce serait stylé, en vrai. Sauf si elle l'attente du patch pour la suite de Star Wars, ouais, en vrai, c'est horrible. Parfois qu'on voit des ptunes aujourd'hui. Waouh, 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 je me rappelle pas de tout ça, moi. Oh, le fumier.
La non-précision, c'est que ça en fait une arme de corps à corps, en fait. Oh, par trouver des points de Duffy. Vas-y, t'enroules pour les 17 mois, objet, le prime, cassier stem, iBad, bon festoche, du roguelike, merci beaucoup. J'ai pas de clé, ça commence à me casser les couilles, mais en même temps, un point de dex pour avoir un level supplémentaire. Il manque des talents, là, il manque du star talent. Là. C'est la merde parce que je peux pas jouer de loin, en fait. C'est chiant. Il me faudrait quoi, hein? Qu'est-ce qu'il me faudrait, là? 2 de stamina, 30% plus de dégâts, mais 1 demi-heart damage taken. La critical hit chance. Precision. Ouais, les chances de crit... Elle est pas claire, cette arme, parce qu'elle a, elle a à la fois trop bien et à la fois trop bizarre. Hein. Puis en plus de ça, c'est un gun, donc elle a le truc du rechargement. Même si j'ai 20% de réduction du cooldown de rechargement, c'est bizarre. Hein. 3600 en crit. Bon, après, on a fait des 20 000 en crit tout à l'heure. Hein. Grandmaster Shuriken plus 3. Molotov Cocktail plus 2. Rapide Magical Boomerang. C'est quoi mes stats? 19, 6. Boomerang est jouable. Hein. Même le Molotov Cocktail est jouable. Grandmaster Shuriken doit être jouable aussi, mais... En fait, là, le Outstanding Money Gun, je suis à 2281, 2344. Enfin, c'est... Ça a l'air intestable, en fait. Pourquoi je trouve jamais de potions, putain? J'ai potions perma et j'arrive pas à trouver des potions. C'est trop le seum. C'est lui qui est électrique là? Ok. J'ai pas de clé, il me faut des clés. Ah ouais, mais là c'est la merde. Y'a trop d'ennemis, frère. Tu brûles, Kratos. J'en suis à un stade où je sais pas si j'ai vraiment besoin de plus d'argent dans le gun ou si j'ai besoin de plus de layers de défense! Je pense que c'était plan cul le gun du pognon là. N'arrive pas à toucher les ennemis en fait. Random melee weapon, random accessoire. Oh, nique-toi, c'est pas ouf. Oh, c'est sulfurant en plus. Aïe 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 aïe. Il prend damage réduit sur cette phase, hein, ça se voit. Hein. Oh, en vrai, Sulfura, il est tranquille. Hein. Je crois que je préfère Sulfura, hein. il est plus simple. Je sais pas pourquoi je m'énerve à chaque fois, mais 15% plus de dégâts sur les boss. C'est pas la dingouze. Hein. Putain, il me manque des HP là. Merci Dams pour les 15 mois. Migosu, merci pour les 21, bateau et 2 ans. Merci Monsieur Chio, merci à vous. Random infusion effect, resim item. Je vais jamais survivre à cet étage de l'enfer. Hein. Impossible. Pourtant, je mets des 4000. Hein. En vrai, je vais utiliser tout ce que je peux pour essayer de survivre quand même.
Qui fait ça là? Qui fait les lasers de merde? Ok. En termes de gestion des priorités, c'est trop dur en fait. Putain, je m'a fait trop peur. Il y a Louis qui est rentré, m'a fait trop peur. Hein. Il y a le toutou aussi. Hein bah, il a découvert la voisine. Il a découvert la voisine. Ouais. Oh, petit chien méchant là. Ce petit chien méchant qui mérite pas les friandises parce qu'il aboie sur les voisines. Tout le monde lui pardonne tout parce qu'il est beau. Hein. C'est vraiment le stéréotype de la personne qui peut profiter de la beauté. Hein, en ce point. N'importe quoi. Donc je te pardonne tous. Oui. Oh, il avait la vie. Il avait un épée dans le cou. Ah oui, ça gratte. Joyeux anniversaire. Merci Nid pour les 10 mois de prime. On lui excuse tout, même de prendre du temps de stream. Bon, ça va, vous voulez tout le temps le voir, arrêtez. Faites pas genre. Stuff for mêler mes couilles. Ça vaut combien ça? 10 gold. Index. Faut que je recharge mon gun avant de rentrer dans les salles, hein, par pitié. Faut que j'arrête de... Ouf, Dodged. Cette chance de Dodged. Un tout dexterity proficiency, donc ça on s'en fout. Hein. Momentum en dash. Grenadier. Les infusions sont permanentes. 5% more damage per current stamina point. 5% more attack speed par missing stamina point. C'est vrai que ça a l'air pas mal ça. Ça a l'air pas mal du tout ça. En fait t'es tout le temps gagnant quoi. C'est sûrement plus gagnant en pourcent damage qu'en pourcent attack speed, mais dans tous les cas ta pourcent attack speed vient compléter le bail en fait. Oh, l'enfer de la room là. L'enfer de la sound. Oh, le non plaisir là. Oh, putain, heureusement que je dodge des trucs hein, parce que 3 de strength. Mais pourquoi me proposer autant de strength là? Après c'est bien parce que 3 de strength je vais avoir un HP au bout d'un moment, non? J'ai besoin d'un HP, moi. Off-end item. Je peux mettre un off-end item. Donc on va espérer pouvoir battre le boss. Oh, c'est Lilith. Lilith, c'est chaud. Hein. Lilith, t'as envie de jouer distance. Hein. Surtout que si je prends un cœur, c'est la fin du monde. Hein. Ok. Et des petits critiques là. Impossible de toucher. Oh putain, Dodged, Dodged. Oh les Dodged du plaisir. Ok. 5% increase damage d'elle pour Soul Art you have. Bah super, j'ai pas de Soul Art. Dommage. Merci Ansteros pour les 13 bois, merci Hachiche. On prie pour les popos. J'ai pas de popos. On ne trouve pas de popos en fait. Genre impossible. Ah mais je dodge jet de fou parce qu'en fait c'est... j'ai 0,5 secondes d'invincibilité après dash, c'est vrai ça. J'avais déjà oublié en fait. C'est ça mon dodge jet. Me demander d'où ça venait, mais ça vient de là en fait.
C'est l'invincibilité des chaussures qui me carry la game en fait. Je vais prendre la stamina en vrai. La stamina ici elle me met trop bien je pense. Hein. Blessed Ice Fang. Quick Blast Bark plus 1. 1319-1439. Celui-là il fait chill hein, aussi. Hein. Celui-là il se teste en vrai. Ouais, il se testait de ouf. Hein. Il est incroyable l'arc là. Pardon. L'arc est fou. Bien meilleur que ce Gunos là, je pense. Bien plus consistant que le Gunos, on dirait. Enfin, je sais pas. Quand je mets des critiques, oui. Quand je mets pas des critiques, bof. Oh my god. Je vais mourir. Je vais mourir parce que je me plante dans les touches. Okay. Il me faut un Black Miss. Ok. Gun meilleur versus les boss, je pense. Ouais. Attends, mais pourquoi je peux... Oh, l'arc de base, j'ai le droit de l'emmener plus 4? Comment ça se fait? Increase range attack speed. Reveal les secret rooms. Ok. Oh, un multiple potion. C'est pas le même forgeron, c'était un forgeron spécial. Oh, le plaisir du forgeron spécial! Oh, les ennemis tornades, mais quel enfer! Mais pourquoi? Qui a inventé ça? Alors, on a quoi? Damage 20% et movement speed 20%. Oh, encore les multiple potions. Non, mais j'ai plus de... Ah, putain, j'ai plus de clé. Oh, non. Oh, non! C'est quel étage là? On est étage 9? C'est sur l'autre run le Mage Blood? Non, c'est là. Sur l'autre run, on avait les fusing en perma. Honnêtement, je sais pas ce qu'on préfère entre les deux. J'ai l'impression de faire quand même moins de damage avec ça. Avec ça, on se galère de fou. Hein. Alors qu'avec ça, je peux taper comme je veux en fait. Fait juste beaucoup moins de DPS. Ouais. Yous fumier. Plus mal, mais tu touches rien avec, ouais, c'est ça en fait. Je touche pas avec le load gun, hein, c'est terrible. Hein. Le Golden Desert Eagle. Il est joli, mais il doit puer la merde. Hein. Merci Morakane pour les 21 mois et Mister Thibaut pour les 72 mois de Prime. Des bisous. J'ai pas de clé. De toute façon. Il fait quoi ce dé jaune là? Ah, c'est pour reroll les items des shops. Ok. En vrai, go tout dépenser au shop si j'ai la chance d'en avoir un en fait. Hein. Je mets tout dans le shop là. Random infusion, vas-y.
Enfin, ils ont le bouclier. Les fumiers. Mais non, mais j'ai déjà le cold. Ça me dégoûte. Feed me souls, feed soul, 2000 souls. Allows exchanging trade for a new one. Non. Échanger un trait pour un nouveau pour 2000 souls, c'est trop cher. Hein. On va bien se faire voir. Hein. Le prix, quoi. Quand tu vois le prix d'un personnage, t'as envie de canner. Hein. Random potion effect. Ok, et donc, du coup, là, si je fais ça... Ah ouais. C'est quoi ça? Gagne plus 1 absolution et you kill le boss. Ok. Bon ça va, j'ai quelques potions. Peut peut-être se mettre bien quand même. Une potion. Potion aléatoire. Après la Mage Blood ou pas, en fait, les potions elles durent 10 salles, non? 3 d'intel. Un petit peu tard, mais... Il est bien le dé qui refresh le shop, en vrai. Ça met trop bien, ça. Bon, là, par contre, le problème, c'est que j'ai... Si j'ai une potion, je peux me soigner une fois. Et sinon, c'est la mort, quoi. Ça peut très vite être la fin. Le DPS sur la mort a déjà été bien pire, même si nos deux premières runs, on lui faisait beaucoup plus mal. Oh le con. Tranquille. Facile le jeu. Acrobatics ou pas acrobatics, on gagne. La run qui laisse. Si je finis avec deux clés même. Instant death. Du coup j'ai eu le succès de finir avec le gunslinger. Merci pour les GG. Un Defy Death aussi. J'ai eu un Defy Death. Oui, j'avais un Defy Death au pire. Oui, non, mais c'est vrai que je l'ai pas utilisé de la run. Du coup, là, je suis en 3 Cinder. Enfin, en streak de 3 Cinder. Avec deux tics, la mort. Je sais pas. Hein. Mystic, have 4 or more infusion applied at the same time. Ah oui, c'est cette classe-là que j'ai pas. Mais Soldier, progress to and defeat death while only using common and uncommon weapon. Ouais, c'est chaud ça. C'est grave chaud ça. Enfin, peut-être pas tant que ça, mais... Comment tu peux avoir 4 infusions en même temps? Poison, il y a une infusion poison, genre les armes qui font du poison, si t'arrives à infuser tout, t'en as 4 en même temps, c'est ça? Pas trop comment ça marche. J'ai douté mais t'as été solide. J'ai été fort, ouais. Il fait quoi le Deprived? Il commence avec un club, Plank Shield. Il a plus de stats que les autres. Avec le truc qui te fait garder les infusions, utilise la popo de poison dans les Blessings Starting Item. Il y a une infus poison en item de start à débloquer. Putain, je sais jamais où c'est les bazars, hein, c'est là. Ah oui, poison fill jar, unique consumable, infuses weapon with poison for 10 rooms. Donc si t'arrives à avoir les 3 infusions plus ça, tu débloques un perso en fait.
tout est si cher. Plus 2 absolution. Plus 2 absolution, c'est pas mal en vrai. Hein. Ça doit être un des meilleurs, ça. Hein. Ok. Soit on change de roguelike, soit on fait une petite DR, je sais pas. Là. Je sais pas ce qu'on fait. C'est la fête du roguelike. Est-ce qu'on joue vraiment qu'à un seul roguelike? C'est la question, quoi. Stay overnight à de taverne. J'ai eu un succès pour ça. Parce que j'ai dormi à la taverne. Soit upgrade pour avoir infusion permanente, soit dans un shop event, il y a des enchantes permanentes. Petite d'air pour la mystique. Vous pensez vraiment que je peux loot la mystique Parce qu'en fait, là, si je joue... Ah, on peut aussi jouer à un sorcier pour essayer de débloquer avec les 10 manas, là. Il y a un perso que j'ai pas avec les 10 manas. Dimanois, faut jouer sorcier. Pyromancer, c'était horrible, je crois. Quoique, Pyromancer, c'est bien. Ce qui est bien, c'est que tu commences directement avec 4 d'intel et la blessing de feu, en fait. Donc feu plus poison. Mana plus infusion, ça se fait en une run avec un peu de luck. Le pyro était rework, c'est bien mieux. Ah ouais? Il a toujours son arme de fire, 25% increase fire damage, 25% increase fire overtime. Ça commence bien. Ah pardon. Stot ban. Stot ban. Oh, petite der. Hein. La petite der. Small amount of gold. Wop wop. Il faisait des damage en fonction de tes curses, maintenant il a un buff de feu. Ouais, ça a l'air plus stylé en vrai. Parce que là, son truc de base, c'est 100% mort burn damage. Ok. Classique, simple, efficace en fait. Ouais. Ça a l'air sympathique. Point, 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 point. C'est un peu le jeu de l'addiction, ça. Hein. Drop a gift box upon clearing a boss room. Un dexterity, un d'intel. C'est quoi son armure? C'est fire damage, donc t'as pas trop envie de... Ouais. Oh, mais ça me va. Un dex, un d'intel, c'était bien. Parce qu'il me faut beaucoup d'intel, en fait, pour avoir les 10 étoiles. Hein. Il va falloir trouver du bleu à balle. Hein. Faut pas que le jeu me troll là-dessus. Accessoires et helmet, j'ai pas. Vas-y, on va prendre helmet en premier. Et il me faudrait du coup l'infusion électrique et l'infusion glace pour débloquer la mystique. Bah, le truc, c'est qu'en débloquant un perso, je vais avoir envie de faire une DR et en fait, c'est l'infini, ce jeu. C'est que tant que tu débloques des trucs, évidemment, t'es dedans, quoi. Un mana. Ah bah nice. Parfait ça. Pour avoir les 10 étoiles mana. Souviens-toi de la dare run d'Isaac d'hier. Bah ça va. Ça va. Plus personne m'en veut. De toute façon, j'ai pas reçu de message de haine aujourd'hui pour le Stardew d'hier. À part Ben, bien sûr. J'enchaîne l'intel. Merci Kigami d'offrir un sub. Merci beaucoup. C'est gentil. Merci Ikigami. Putain, j'espère qu'il y a des bonnes armes de feu encore après. Gain a soul art when you defeat a boss. Ça c'est pas mal ça. Hein. 25 plus de dégâts sur les boss. 10% increase dot damage per second spent in the room. Decay. Up to 200%. Mais ça doit être pété avec le feu, non? Crimson Staff. Fierce Triangle. Ça fait du feu, ça? Bah, de toute façon, on s'en fout que ça fasse du feu ou pas, on en fait de base. Nous, on fait du feu de base, en fait. C'est ça qui est pété. Un Strength, un Dextérité.
Random enchantment modifier to weapon. Twilight branch. J'ai pas assez d'argent. Plus 2 dex mais moins 1 de strength. Ouais non mais on va rien prendre ici je pense. Le truc du dot ça a l'air fumé hein. Oh non c'est du feu ça. Oh les glandus vraiment hein. Hop 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 hop. Fait plus de feu si ça fait déjà du feu. Ça je sais pas. Je pense pas mais je sais pas. Talisman plus 1 art. Ah c'est off-end ça le problème. Je sais pas avec quoi je fais le plus de dégâts de toute façon. Ah mais j'ai le damage over time là. Ça le problème du Crimson Staff. Du Crimson Staff. Feu deux fois plus fort. Hop 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 hop. Da 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 da. Tranquille. Au succès, il y a un trait plus 3 mana. Plus 3 de mana, donc plus 3 d'étoiles. Ok. On va essayer de le trouver en vrai. De toute façon, je joue full intel. Hein. Je joue full intel et full infusion. Quel dommage qu'il pue autant la merde le bâton déjà à l'étage 3. Ok, on a notre infusion de colle, donc ça là on la met de côté de fou. Plus 1 de strength, random potion. Il nous manque l'infusion lightning et c'est gagné. Et d'ailleurs en fait, si on trouve une arme qui fait du lightning, c'est gagné je pense. Et du coup on aura lightning plus feu donné par notre perso. J'ai des bottes, non? Bah, je prends celle-là. Taverne avec seulement 13 balles, c'est pas fou. Hein. Il commence avec des dés, le frérot, j'ai pas regardé. Ce serait stylé en vrai. Il commence avec les dés pour reroll le perso, mais c'est tout en fait. J'ai pas assez d'argent pour upgrade au blacksmith, c'est un peu dommage. Il manque toujours quelque chose quoi. La run d'avant il manquait des clés, là il nous manque des golds. Il s'agirait de trouver une meilleure arme aussi. 3 tipsiness. Clé, shrine. Bon moi je suis tranquille sur les clés avec ça. Hein. Pour ça je suis intouchable. Je prends pas souvent des hits mais je fais bien parce qu'il y a peu de points de vie dans le jeu. Hein. On a vraiment pas grand chose. Hein. Oh trop bien pour les magic users. Hein. Il y avait résine à gauche, mais j'ai une chance sur 3 d'avoir la bonne résine. Je me dis OKLM, plutôt trouver du stuff. Mmh. 20% increase magic attack speed en off-end. Ce sera mieux que le damage over time, je pense, parce que... Damage over time c'est bien mais j'ai le decay qui le booste jusqu'à 200% juste en restant dans la pièce donc c'est assez fou en fait. Nice. Et là je veux les 3 mana. When you dash, hein, potion effect à permanent. Les effets de potion sont permanents, c'est très très cool mais est-ce qu'on va en avoir? Bah oui, pour le poison en fait ça va fonctionner non? Est-ce que c'est une potion? Non, c'est pas une potion. C'est un consommable, mais c'est pas considéré comme une potion. Bon, à partir de maintenant, faut trouver des potions. Quoi.
pas multiplicatif avec DK les 25%. Je pense pas. Hein. Je sais pas comment ça fonctionne l'ordre des stats dans ce jeu. Big amount of gold ou accessoires. J'ai pas d'accessoires. Simplement, si l'accessoire est pas fou, on aura le seum parce qu'on pouvait avoir des golds enfin. On va voir si sur les boss ça a un bon effet. Le burn il met des 183 en boucle, ok. On a enfin eu un autre boss que l'autre là. Oh putain. Et plus je passe de temps dans la salle en fait, plus mon burn fait de damage, mais j'ai pas l'impression que ce soit fou en fait. J'essaye de voir les tics de feu là. Non! Là on fait quoi? On fait du 300? Ça m'a pas l'air si fou. Hein. C'est ok tiers. Ouais. 10% de chance to solve on room completion. Hein? A chaque fois qu'on finit une salle, on a 10% de chance de résoudre le Rubik's Cube. Mais comment ça? Comment ça résoudre le Rubik's Cube? Il a un effet de fou le Rubik's Cube. Equipment item, variety of rewards. Le problème du mage, c'est... Ouais. Mithril armor. Defy death plus one more time. 2 d'armor. Moi, j'ai tellement pas de points de vie que je pense que je vais devoir mettre ça pour l'instant. Shock wand. Ça c'est pas trop mal non. Avec ça je vais faire d'électricité plus du feu. Je suis pas sûr que ça compte comme les infusions en fait. Ça compte pas. C'est sage si ça compte pas. Et du coup, est-ce que le pyromancien de base compte avec son effet de feu perma? Ou est-ce que c'est de la brasse? Cold, Elemental, Magical, AOE, Inflict Chill. Le Blizzard Scroll. Putain, mais j'ai trop de trucs sur moi. J'ai jamais vendu. Quel enfer. Ça doit valoir 0 en vrai. J'ai plus de clé! Pourtant, on inflige froid et feu en fait, donc je comprends pas. Je comprends pas quel est le but de ce bazar. Oh, vas-y, j'ai pas de clé! Prendre la mallette en vrai. Il te faut bien les trois résines. Donc en fait ça sert à rien de jouer pyromancien aussi. Tu peux jouer avec n'importe qui, il faut juste trois résines plus... Il faut trois résines plus le star poison et voilà. Ça je te vends fumier. Je te vends le Crimson Staff. Hop. Ok. Bon bah, faut se démerder pour trouver tout ça en fait. Hein. Ça va être chaud, mais bon. Merci Kali pour le prime et Mouglière aussi. Merci à vous deux. Gros bisous. Oh god. Non. Mon armure.
Après, le damage est pas mal, hein. Poison élémental, physical, magical, poison, bleed, all poison stack at once. Moins 20% damage. Qu'est-ce que c'est que cette brasse? Merci le Z pour les 6 mois. Et bah vous l'idée. Plus 1 soul art, plus 1 dext. Oh, il est bizarre le... Il est bizarre le bâton là. Il est très très lent. Le leak de Teoteka qui tourne aussi bien que Jedi Survivor, c'est drôle. Bah oui, bah Zelda... Zelda, faut pas s'attendre à des miracles, c'est clair. Hein. Ça fait un peu peur en vrai, Zelda. Hein. Après, j'ai pas vu de leak ou quoi, perso, mais... Je pense que le poison, c'est pas fou et que je vais aller le vendre tout de suite. La taverne avec 80 gold. Y'a quoi la taverne qui peut être cool pour les magiciens? Purging Stone. Stay for the night. Ah oui, c'est vrai qu'on peut enchanter notre arme. 10% de critique. Nous avons, nous avons. Le jeu a leak. Bizarre, hein. Enfin, franchement, les jeux Nintendo, tous les jeux Switch, ils leakent une semaine avant la sortie, c'est terrible. Hein. Deux dex moins 1 de strength, moins 10% movement speed, mais 1% increase movement speed par gold up to 50%. Enfin, de l'Intel, OMG. Putain, c'est vrai que je cherche aussi à avoir les 10 étoiles d'Intel, mais que c'est impossible. Hein. J'y arrive tellement pas. Les bandeurs de Yuzu vont rappliquer. Vous pouvez passer le reste de sa vie en prison, en vrai. Increase damage bonus from mana. Ok. Impossible de trouver le mana! 40% increase attack speed when you pick up a mana star. Attack speed bonus decays over 4 secondes. C'est bien ça. Random of end, on a ce qu'il faut, on va aller chercher des stats. Hein. Le Rubik's Cube fait quoi maintenant qu'il a été solve? Ah merde, il a été solve, j'ai pas vu. Ah, première fois qu'on a lui aussi, on a eu que le Sphinx depuis le début de la journée. Hein. Quel enfer. Toi, tu me fais peur! Plus 1 de luck. J'ai 1 de luck supplémentaire. Je sais toujours pas ce que fait la luck dans le jeu. Il y a une match sur Star Wars Survivor. Elle est sortie sur PC, mais ça sort demain sur console. Malheureusement. Sinon, on aurait pu aller tester la mage, mais... C'est pour le PC! Ça y roule quand un truc proc pas. Ah, c'est ce genre de luck? Ah, c'est OP si c'est ça. C'est la luck du... C'est la luck du trèfle dans Risk of Rain, c'est ça? Si c'est le cas, ça rend pas mal. Ah, et l'intelligence, on y croit, hein. Bouap, 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 bouap. C'est aussi pour les effets. Hein. Mais donne le mana! Putain! J'aurais pas le mana.
Événement. Stuff pour magicien. Wouah, tellement de gold. C'est tous les combien de mana qu'on gagne une étoile tous les 10, non? J'ai 15 de mana, genre à 20, je vais regagner une étoile. Hein? Il va trop vite le Sharknado là. Un Stormcloud plus 1. Ok, c'est juste un truc qui fait de l'électricité quoi. Le Unreal SMGs. 10% damage, reload speed, crit. Il est joli mais bon. Ça me fait pas bander non plus quand même. Random body armor. Ça va les dégâts. Au Japon, trop rebou, quel plaisir. Bah écoute. Bonne soirée. Nous aussi, on est full rebou là, il est 17h. Je suis bien rebou là. Critical hit chance 20%. Ça va les items flingués là? Totalement flingax. J'ai plus de clé. Putain, vas-y, la résine. La résine qu'il me manque. Mais du coup, tout à l'heure, quand j'ai jeté la résine de feu, j'aurais tellement pas dû. Putain, j'ai deux fois la cold. Vas-y, je peux pas aller à l'arcade room, j'ai pas de clé. Envie de canner. OP, la crit chance. Je sais pas, j'aime bien mes deux points d'armure aussi. Évidemment, je vais voir les armes. Le kazoo. La Broken Golden Skin. Et 400% more damage at close range. Oh, ça se teste ça. Vous allez péter les plombs. C'est que cette merde. En plus, plus tu tapes vite, plus ça fait des bruits vénères. Inférieur poisonous cococcion. C'est de la merde. Rends-moi mon kazoo. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est que cette brasse? Ouais voilà, mais là c'est la merde, je peux jamais taper au corps à corps en fait. Je suis jamais considéré comme au corps à corps sur le boss là. Ouais.
J'arrête le casou. J'abandonne le casou. 25 bases mêlées damage. Mais t'en as d'autres, des merdes comme ça? Ou ça se passe comment? Il est que dans l'oreille gauche, c'est horrible. Bah, vous avez l'impression d'avoir des acouphènes? Le mana! Putain. J'ai pas beaucoup de stamina en vrai. J'ai l'impression que c'est meilleur pour les boss. Enfin, j'ai l'impression que c'est pas très fort pour les boss, mais meilleur pour les ennemis. Je suis désolé. C'est ambiance bizarre en fait. Investigate the corp. The end of blood. Gain bloodlust when you take damage. Bloodlust grant 30% increase attack speed. C'est de la merde. C'est de la merde. Il est quel level mon casou? Mon casou il est plus 2. La shock wand elle est plus 3. Je sais pas. J'ai l'impression que ma run pue. Ouais. Ma run est nulle en fait. Genre je sais pas quoi jouer. Tout pue en vrai. Tout pue. J'ai 173 gold et je peux rien en faire. Il me faudrait peut-être plutôt les deux points d'armure en vrai. L'armure en mithril. Parce que là j'ai plus de points de vie, j'ai plus rien. C'est un casou. Rien que ça. Et non des moindres. J'ai pas la Mage Blood. Si on est d'accord que j'ai la Mage Blood, hein. Mais il y a l'infusion là. Que cette run ne serve pas à rien. Par pitié que je réussisse les 4 infusions. Ok. Il me manque celle de feu. Oh, je revends le casou. M'a saoulé. Grosse merde le casou. Ça, je revends pas. Je le revends sans honte. Hein. Sans aucune forme de honte. Random Magic Weapon. Merci qui s'empoika pour les 22 mois et Bigou pour les 2 mois. Merci pour les resubs. Des bisous. Cimer à vous deux. Bah, ting. Il y a des potions maintenant. Il y en avait toujours eu. Hein. Il y a toujours eu des potions dans le jeu. Ah non, les potions de heal. Oui. Les potions de heal, oui, c'est une modification qu'il y a. Par rapport à avant. Avant, elles étaient dans l'inventaire, maintenant t'en as deux par run. Et tu peux les refill. C'est réel. Pardon. Enfin, comment j'ai fait pour pas me faire toucher? C'est un miracle. Il y a un moment dans le coin, là, j'ai vraiment cru qu'on allait prendre, mais finalement on n'a rien pris. La inférieure Unholy Bible. Dark Magical, moins 5%, gagne 15% more rotation speed pour boss you've killed. Ça a rigolo quand même. Ça a l'air sympa ça.
juste trop de bordel là. Epic Weapons. Le Tortoise Selic. Le Echoing Fury plus 1. Le Inferior Blasting Wand. Pourquoi ils sont inférieurs? Pourquoi je me tape des trucs inférieurs? J'ai pas de chance quand même. Infuse Weapon with Cold Permanently. Ok. En vrai, celle-là, on peut l'acheter ou l'utiliser, enfin, on s'en fout. Quoi. Là, il me faut celle... Il me manque toujours celle de feu. Il me manque toujours celle de feu, seulement, si je vais à la taverne, je peux enchanter mon arme. Déjà, ça, c'est cool. Violent, plus 10% damage, t'as pas mieux. 25% critical hit multiplayer. J'ai envie de grid. Bon bah ce sera violent hein, tant pis. Ce sera violent et puis c'est tout. Et déjà plus 3. Tout est plus 3 en fait, ça me sert à rien d'avoir une whetstone là, mais bon. Sauf pour les armes de corps à corps, mais j'ai pas d'armes de corps à corps. Ça c'est corps à corps, bible magique, non. Will break if damage enough. Spike shield. 25 base range damage. Arctic Wand plus 3. Pff. Oh, les trucs de merde. Ce que là, c'est qu'on a retrouvé une belle arme de feu, par contre. Bottle of Booze. Étage 9. On va tout utiliser à l'étage d'après. Random Magic Weapon, 1 All Stat. 1 All Stat, on va gagner. Ah, oh, 1 All Stat, ça me va en vrai. Merci à AlexPex pour les 42 mois. Let's go, le retour de Tiny Rogue. Ah, j'avais envie d'en faire aujourd'hui, ouais. Petit après-midi roguelike, là. Le jeu est tellement complet en vrai. Il va l'être de plus en plus. C'est que la 0.2 qui va sortir là. Qui va rajouter des boss et tout. Hein. Le dev c'est un fou. Hein. Ouah, le feu j'ai l'impression qu'il fait vraiment mal. Un all stat, let's go. Un de dex. Je vais mettre ma tipsiness et tout là. Non! Oh, c'est réel ce que je viens de prendre là. J'ai vomi! Quoi, je vomis? Stop, vomi en fait! Ah parce que oui, non mais c'est parce que j'ai pas assez de strength. Pour tanker la tipsiness, il fallait de la strength à l'époque. Là j'ai toutes les fusings, mais comme j'ai pas la fusing de feu de manière donnée par un item, bah ça fonctionne pas. Les infusions sont permanentes. 20% de chance de crit, 25% plus de dégâts quand on affronte seulement un ennemi. Voilà, pour trouver la fusing de feu, il me faudrait une chance monstre. Il faut que ça me donne le feu. Si ça me donne le feu, c'est le feu. C'est littéralement le feu. Donne-moi le feu et c'est le feu. Oh my god! Hop là! On a les 4 fusings sur nous, donnés par des items. Feu, cold infusion, fire infusion, lightning infusion, poison infusion.
triche évidente. Oh ça va, j'en avais gaspillé une au début de la run. Hein. Normalement je les avais toutes loot legit. Hein. Bon bah le feu je l'aurais loot deux fois, hein. Comme le cold. Hein. Quel level mon arme, plus 3. Après, aller voir le blacksmith à ce moment-là, c'est pas une mauvaise idée, hein. ça retire une sale affaire en fait. Le chap. 3 d'intel tous les jours, movement speed. Hop, bah il y avait le feu, tiens. Dans tous les cas, il y avait re le feu ici, donc j'allais te dire c'est mérité. 100% mérité en fait. Un peu dommage qu'on ait pas plus profité de la Mage Blood par contre. Oh, dommage ça. Ah, pas de dés. On a vu plus gros dégâts aujourd'hui, mais normalement, plus on attend dans la salle, plus on va faire de dots. Donc la deuxième partie du boss va prendre plus cher en dégâts normalement. Ouais, ça se voit déjà là. Pff, oh le dot de malade à la fin. Oh la vache. Le Thunderstorm Scroll, il est bien lui. Ce qui est stylé, c'est qu'il y a vraiment beaucoup d'armes qui font pas la même chose dans ce jeu. Hein. OP, DK, ouais DK c'est fumé. Hein. Instant death. Death claims another. Game saved. Débloquer le bard pour 2500 âmes. Et la mystique coûte 10 000 âmes. Hein. Putain c'est si cher. Frère tout est trop cher. Trop cher le jeu là. Donc j'ai débloqué des nouveaux trucs. Parce que j'ai battu ma streak. Moins 2 inventory slot. Additionnel combat encounter to each floor. Rooms will apply occurs to you. Bosses are initially accompanied by 2 soul automaton. Oh. Some doors appear spiked. Oh. Mais c'est horrible. Il y a vraiment des trucs horribles. À la limite, le moins 2 inventory slot, il n'est pas si horrible que ça. Mais alors, la vache, hein. Le Cinder 16 est horrible. Ah, tout activé là. Non mais tout activé c'est l'enfer. Hein. Tout activé c'est... Faut vraiment pas aimer la vie. Hein. Merci la EOS pour les 7 mois de prime, des bisous. Au raccordage, merci pour les 18 mois. Le Rubik's Cube il était devenu un de luck. Ouvrir les deux portes de fin, faut attendre la mage d'après en fait. Y a pas encore la mage là. Le Bard on l'a déjà joué en fait, c'est juste qu'on l'a pas joué en le startant, on l'a joué en jouant le Doppelganger. Un succès ici, il me faut tout activer. Ouais. La grande flemme. Ouais. Le soldier, c'était quoi déjà? Defeat Death while only using common. Oh, ça c'est horrible. Ça, c'est l'enfer. Hein. Faut le faire en Cinder 0, ça. Et le Wizard, ça a l'air si chaud à débloquer. La mystique, elle a quoi? Quand une élémentale infusion expire, gagne une permanente stat bonus. Waouh. À chaque fois que tu perds une infusion, tu regagnes un bonus permanent de stats. Et les infusions gagnent des effets supplémentaires aussi, des buffs supplémentaires. Ça a l'air assez fumé en vrai. Ouais. Accessories that enables mana regardless of the weapon you are using. Ah oui d'accord en fait, peu importe si t'as une arme de mana ou pas, tu peux te battre avec ça. Hein. Je regarde un peu ce qu'il y a. Le start 35 gold il est ok tiens en vrai. Le start 35 gold ou start 3 clés il est sympa en vrai. La Storm in a Bottle, c'est trop fort. Ah mais ça s'utilise qu'une fois, Storm in a Bottle, non? Je comprends pas trop l'intérêt, non.
Ça fait trop mal au boss. Mais ça fait mal à un boss. Tu le fais sur Death. Ouais. Ah c'est marrant, du coup les victoires avec le doppelganger ne fonctionnent pas pour les autres persos, c'est validé. Hein. Oh. Ça donne envie de refaire une DER, mais si je refais une DER et qu'après je peux acheter la mystique, j'aurais envie de faire une DER avec la mystique. Ah, faut changer de jeu là. Faut changer de jeu, on a trop joué à celui-là. Il faut aussi en faire d'autres. C'est la journée des roguelikes et j'ai joué à un seul roguelike. J'ai envie de crever. Broken Sword, c'est trop bien maintenant, ça fait quoi hein? Only somebody with a wish for death will contemplate using this. Je vois. Peut-être faut mourir une fois. À quoi ressemble ma save maintenant? 17 runs. C'est marrant que j'ai joué que 7 heures, j'ai l'impression d'avoir joué vraiment plus à ce jeu. Ça joue à les travailleurs et ça joue pas à Satisfactory. Putain, j'avoue. L'occasion manquée de fou.